Partagez, 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 envoyez les cœurs. C'est pour une bonne cause. Bonsoir. Bonsoir, Wembe, Wembe, Nembo, Simplis. Bonsoir, Aristide et Bélé. Bonsoir. Madeleine, Gisèle, Poi, Obama, Orlan et Bélé, bonsoir. Et puis merci. Aurore Angoula, Michel et Soma, et le fils à Mathilde Brown, envoyez l'invitation, comme ça vous passez directement à l'écran, s'il vous plaît. Vous savez comment ça se passe? Il y a deux bonhommes qui se présentent sur le direct et vous cliquez sur ces bonhommes. Je vous envoie l'invitation et vous rentrez dans le direct, s'il vous plaît. Aurore Angoula, Michel et Soma et puis le fils à Mathilde, s'il vous plaît. On va aller un peu vite. Vous savez qu'il y a un autre direct de femmes tout à l'heure. Les Lady Boss. Les Lady Boss qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Tata Doudou. L'étoile caribienne et la PDG canadienne. Ça se passe exactement à 18h. Nous allons parler de tout. Ces femmes vont nous expliquer comment est-ce qu'elles font entre leur boulot de boss lady et à la maison. Combien de fois ces femmes par semaine
par rapport à leur boulot, peuvent monter le cocotier pendant qu'elles s'occupent des enfants. On va parler des femmes. On va parler de la femme au sein d'un couple. On va parler comment est-ce que ces femmes managent entre le cocotier, l'éducation des enfants et comment elles s'occupent de leur conjoint. Donc, tout à l'heure à 18h, ce sera le grand débat. Et plus particulièrement, il y a une particularité parmi ces femmes, la plus jeune d'ailleurs, je pense, l'étoile tribienne, qui est très en vue dans les réseaux. Avec elle, je vais aller droit au but parce que j'ai des choses à lui demander. J'ai beaucoup de choses beaucoup de questions à lui poser. Elle est très en vue sur la toile. Elle fait du beau temps et du mauvais temps. Elle se fait aimer, elle se fait détester. Alors elle, je vais vraiment aller très fort avec elle parce que je voudrais savoir des choses. C'est l'occasion pour elle de nous expliquer beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Je vois une invitation là, d'eux-mêmes. Voilà, c'est Michel et Somba et Aurore Angoula. Je prends d'abord l'une d'elles, qu'elle rentre à l'écran, et puis je prends l'autre. Donc, je disais tout à l'heure, après ce direct à 18h, vous aurez ces dames qui vont nous expliquer comment ça se passe dans leur foyer, comment elles gèrent leur boulot. Partagez la famille, partagez, c'est un direct important. Direct très très important. Là, on parle de la famille, on parle d'un décès, on parle d'une famille qui souffre. Michel et Soma, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pris ton invitation, elle a été refusée. Sors du direct et tu rentres de nouveau et tu envoies l'invitation, mais tu likes déjà la page. Là, j'ai accepté l'invitation de Aurore, c'est en train de mouliner. Donc, quand ça ne passe pas tout de suite, il faut ressortir du direct, liker la page et puis envoyer de nouveau l'invitation. Parce que quelquefois, je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas, mais on m'a très souvent dit que c'est des personnes qui ne sont pas abonnées et quelquefois, le temps de les prendre, ça, voilà. Celle de Aurore, elle a pris. Voilà. Voilà, Aurore. Bonsoir, Aurore. Aurore, tu m'entends? Bonsoir. Bonsoir. Ok. Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend très très bien. Je tiens d'ailleurs à vous remercier infiniment. Merci. De prime abord, depuis hier, à avoir entendu mon cri d'alarme. Vous m'avez même pas demandé à l'époque, on ne parlait même pas du direct là. Je vous ai contacté par rapport à Mathilde. Vous m'avez dit où est le numéro pour contribuer. C'est ce que vous m'avez écrit. Comprenez? Tout à fait. Voilà. Et voilà, Michel est aussi là. Ça fait plaisir. Oui, au moment où Michel est là. Voilà, Michel. Viens me sauver parce que tu sais que moi, on va m'insulter ici. Donc, voilà. Moi, je tenais d'abord à remercier ce monsieur qui, j'écris à tout le monde depuis 2 jours, d'accord? Sans me demander rien du tout, il m'a dit, voilà, on envoie l'argent où? C'est pas ce que vous m'avez écrit, monsieur? Tout à fait. Bon. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un que, peu importe, même si je vous coche de temps en temps, même si machin, on s'en fout, quand ça cuit. Et vous m'avez pas demandé, il se passe quoi? Vous m'avez dit, on envoie l'argent où? C'est pour ça que finalement, on a décidé de venir s'installer ici chez vous. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci. Merci pour ce témoignage. Michel peut... Non, mais en fait, de nos jours, les gens ne sont pas reconnaissants. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, Michel. Michel sera plus calme que moi parce que moi, je suis très virulente. Donc, Michel, elle est plus posée. Elle pourra vous décrire la situation. Voilà. Michel, je te laisse la parole. OK. On va prendre Michel tout à l'heure. Je voulais juste que tu m'envoies le temps de partager
J'espère que vous avez aussi partagé de votre côté, s'il vous plaît. Moi, j'ai partagé, mais très tard, hein, parce que normalement, c'était prévu hier. Moi, j'ai reçu ça tout à l'heure, j'ai partagé, après, on va partager. De toute façon, ils vont venir regarder, donc, de toute façon. Voilà, je voudrais aussi demander aux PTT qui sont là, aux justiciers, et aux 220 personnes qui sont connectées, s'il vous plaît, vous êtes 220, faites déjà 220 partages, ça va déjà faire quelque chose. C'est un direct ils très ne important. Sont pas là pour ne pas partager parce que Aurore est là ou Michel est là. Hein. Donc là, on est là pour. On parle de Mathilde qui est décédée. C'est Mathilde qui est décédée. Aurore, s'il te plaît, je suis en train de parler. Merci. Donc, on partage, nous qui sommes là, s'il vous plaît. C'est pour une bonne cause. C'est pour une femme que certains de vous connaissaient. Moi, franchement, je ne connais pas. Même pas. Voilà. Je ne connaissais pas, mais j'ai entendu le cri de cette dame Aurore qui est en train de parler, qui m'a appelé depuis hier. J'avais déjà un direct de programmé pour 18h, mais puisque c'était une cause. Il a décalé son direct. Voilà, comme c'est une cause très importante, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, si on peut le faire avant. Parce que voilà, il y a des enfants qui se plaignent, il y a une famille qui est désemparée. Alors voilà, j'ai programmé comme ça à la volée ce direct à 15h. Donc je voudrais que vous qui êtes là, s'il vous plaît, les 240 personnes partagées, faites 240 partages, que ce message aille le plus loin possible et qu'on essaye de faire ce qu'on peut pour cette dame qui est partie. Mais à son âme, moi je la connaissais malheureusement pas. Mais ton nom dans les réseaux, je vois ton nom de partout. Depuis hier qu'elle m'a parlé de ça, je suis rentré dans certaines pages, j'ai vu des publications. Je ne connaissais pas cette dame et apparemment la famille est vraiment désemparée. Ses enfants sont très mal. Et voilà. Donc, essayons de faire quelque chose pour qu'elle essaye de revenir ici. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Aurore de venir. Expliquez exactement la situation. Je suis venu ici pour vous, monsieur. Je suis venu ici pour vous, monsieur, parce que même si je vous critique, mais vous êtes un monsieur respectable. Mais je me retrouve en train de me mêler d'une histoire qui ne me concerne pas. Merci, ses voilà. Copines ont fui. Ses copines sont où? Elles sont où pour gérer ça? Voilà, donc, il faut vous calmer, madame, ça va aller. Donc, une situation comme ça, même si on a le cœur pour aider, on voudrait quand même savoir qu'est-ce qui se passe. Pour que les gens donnent encore cette envie vraiment donner. Et c'est pour ça que j'ai initié ce direct à 17h, pour qu'on essaye de voir exactement qu'est-ce qui se passe pour cette famille, qu'est-ce qu'elle était dans la diaspora, cette femme. Et voilà pourquoi on doit vite l'aider. Donc, donnez-moi encore. Michel va parler, mais elle est plus calme que moi. Michel, elle est plus doucereuse, okay. En fait. OK, madame. Donnez-moi 5 minutes de partage et puis on va commencer okay, le okay. temps que. Le temps que les gens qui sont aussi connectés partagent. Merci. Ok. Voilà. Rebonsoir Michel, rebonsoir Aurore. Déjà, comme vous avez lu la publication, déjà avant même d'entrer, Aurore, la photo que tu m'as envoyée, que j'ai publiée, ça a fait polémique. Il faudrait qu'on se situe d'abord dessus avant de continuer. Il y a des gens qui ont écrit, il y a des gens qui ont écrit. Le garçon que tu m'as envoyé, c'est pas le fils à Martine, c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, 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 attends. Je t'ai envoyé sur WhatsApp ma photo. Tu m'as demandé des photos, je t'ai envoyé la photo du monsieur, la photo de machin. Attends. Je te renvoie ça de suite. Je te refais capture d'écran. On est d'accord? Non, je les ai de toute façon. Et puis on a vu, c'est sur ma publication. Donc le monsieur en rouge, je voudrais juste savoir, c'est le fils ou c'est pas le fils? Non, c'est pas le fils. Ok, parce que j'ai mis sur la publication que c'est le fils. Quand tu m'as envoyé les trois photos,
Celui qu'a Connais-toi dedans. mis sur la photo, c'est la bombe royale qui était l'ami de Mathilde, qui était avec Mathilde peu de temps avant son décès. OK. Donc ton fils qui devait intervenir ce soir ne sera pas là? Il va intervenir. OK. Merci beaucoup, Michel. OK, comme ça on peut continuer. Merci. Wow, j'ai l'impression que ton image est figée, je ne sais pas pourquoi. Tu as des problèmes de connexion. Hein? Ah oui? Oui, l'image d'Aurore, pas Bah, la je tienne, sors là, et je Michel. reviens Non, alors. pas Michel, pas toi, Michel, je parle d'Aurore. Ah, Aurore. d'accord, Son ok. image est figée, je ne sais pas pourquoi elle ne réagit plus là. Mais toi, ça va, papa, tu es très bien en direct là. Bon, je ne sais pas, Aurore doit avoir des problèmes de connexion de son côté. Parce que là, image, voilà, elle est partie, je crois qu'elle va renvoyer l'invitation. OK, en attendant, Michel, on peut commencer? Oui, on peut commencer, oui, chérie. Parce que je te vois en train de trop bouger, je ne sais pas si tu es en train de faire autre chose. Non, non, je suis là. Je suis en train de marcher. Voilà. Comme je disais tantôt hier, j'ai été contacté par Aurore. Cette personne, je connaissais pas, mais juste le cri du cœur qu'une femme est morte en Afrique. Ses enfants pleurent ici, il faudrait rapatrier le corps. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette dame, s'il te plaît? Alors, l'histoire de Mathilde, en fait, Mathilde, c'est pas une amie déjà. C'était comme une grande sœur de cœur. Je l'ai rencontrée en tout et pour tout 3 ou 4 fois. Et parce que c'était une amie à mon grand frère qui habite Paris. Donc, le 13 février, Mathilde est décédée. Son fils m'a appelé parce qu'il avait vu mon numéro sur le portable de sa mère. Donc depuis le 13 février, on essaye de le soutenir du mieux qu'on peut. Et je tiens à préciser que tout ce qu'on fait jusqu'ici, c'est légal. Voilà, parce qu'on a pris un avocat au Cameroun. Son fils nous a demandé de l'aide, hein, et du soutien, parce que son souhait, c'est que la maman puisse, qu'on puisse rapatrier sa mère, qu'on puisse rapatrier Mathilde. Donc, voilà. Voilà le plus gros, en fait. Donc, je tiens vraiment déjà d'abord, un, à te remercier pour ce direct, parce qu'on était un peu dans l'abandon. On essaie de frapper un peu partout pour en demander l'aide. Ben voilà, certaines personnes. Donc, voilà le fils qui est là. Donc, c'est le fils aîné de Mathilde. Tout à fait. Voilà. Donc, on essaye de frapper un peu partout pour de l'aide parce que, bon, malheureusement, Mathilde n'avait pas d'assurance en cas de décès pour qu'on puisse la rapatrier. Donc, on découvre les choses au fur et à mesure. Et je trouve que le direct, en fait, il aurait fallu que tu aies tous ces éléments pour mieux comprendre. Parce que tout ce qu'on fait, c'est avec des preuves, avec des vidéos. Où le fils aîné est là, où il nous envoie tout. Au départ avant qu'on en arrive là, le fils m'avait d'abord contacté. Donc depuis, pendant qu'il amenait le corps à la morgue, hein, j'étais parmi les premières personnes qu'il avait appelées. J'en revenais pas. Et peu de temps après, il y a une blogueuse dont je vais taire son nom qui m'avait contacté. Qui m'avait demandé de si je pouvais être dans cet élan de solidarité Mais où il Michel, y avait la petite. tant toutefois te couper, on est dans un élan de solidarité. Pourquoi tu évites de donner les noms? Ça fait polémique ou pourquoi? Oui, c'est pour éviter voilà, c'est pour éviter certaines polémiques. Mais je vais citer les noms essentiels en Parce que fait. c'est normal si c'est elle a contribué déjà. Tu sais, Non, aider, c'est parce que en toujours. fait, il y avait plusieurs groupes. C'est là où je veux Ah, en venir. Donc, ok. dans le premier groupe, moi, j'ai décidé le premier groupe où il y avait la sœur de Mathilde, donc qui se prénomme Sophie, et une dame Emma dans le sud. Mais moi, après, j'ai décidé de sortir de ce groupe parce que ça n'allait pas. Il y avait des trucs qui se disaient, après c'était pas ça, après bon, après c'était un désordre pas possible. Donc moi j'ai préféré sortir de ce groupe où
J'ai décidé d'être uniquement avec le fils. Voilà, parce que Mathilde était divorcée. La décision revient à son fils qui m'avait contacté dès le départ. Voilà. Donc, dans l'autre groupe, je suis sortie. C'est là où il y a l'autre groupe, en fait, c'est là où on a organisé la veillée qui a eu samedi dernier, veillée sans corps à Nice, où le fils n'était pas au courant. Donc, moi, je suis pour la transparence, pour la vérité, et je soutiens, et je serai toujours là. Je parle à mon nom, hein, parce que nous sommes trois, mais là, je parle à mon nom. Je suis là pour le fils, je soutiens le fils, et surtout pour la mémoire de sa mère, qui était une grande sœur de cœur. Je répète, j'ai vu Mathilde de toute ma vie 3 ou 4 fois, et c'était vite fait à Paris. Voilà. Et vous, la Donc, après... transparence, sans toutefois te couper, la veillée de Nice a donné de l'argent. Aucune idée. Nous, en fait, nous, on ne s'occupe pas de ce qui se passe à Nice. Parce que nous sommes sortis de là parce que ça n'allait pas. Voilà. Donc là, nous, on a mis un PayPal en ligne, le PayPal qui est au nom d'Aurore, où on essaie de contacter nos connaissances. Moi, j'ai déjà pas mal de personnes de mon côté qui ont fait des PayPal, qui envoient aussi des PCS. On recharge et voilà. Donc, entre-temps, on a pris un avocat au Cameroun pour les différentes démarches pour aider le petit, enfin, quand je dis petit, pour aider le fils de Mathilde. Et il y a d'autres dépenses où on fait à côté, où ça sort de nos poches, où on pioche pas dans ce PayPal qui est pour le rapatriement de Mathilde. Voilà en gros où on en est. Donc, au niveau des démarches, ça avance. Tout est bien. Et je tiens à remercier Chacha, c'est comme ça que je l'appelle, donc le fils de Mathilde qui est là, parce qu'il a montré que non seulement le départ de sa mère est tombé comme ça subitement, il ne s'y attendait pas. Sa mère est décédée entre ses mains. Et je ne sais pas pourquoi c'est mon numéro qu'il a pensé à appeler. Et puis il y a une autre grande sœur, Cristal, qui est aussi dans le sud, qui m'a contacté pendant tous les premiers jours. Donc nous sommes trois où depuis le 13, on s'est pas séparés. On est vraiment là au maximum pour le petit et pour les différentes démarches et les dépenses, certaines dépenses qu'il y a effectuées au Cameroun. Voilà. Ok, pour les besoins de transparence, le litige que vous avez ouvert, il est à combien aujourd'hui? Alors, tout ce qui est le PayPal, en fait, c'est Aurore qui s'en occupe. Moi, je me charge de faire certains PayPal quand on envoie peut-être des PCS et tout, parce que c'est reparti. Donc, c'est Aurore qui s'occupe de tout ce qui est vraiment montant exact. C'est elle qui pourra dire combien il y a exactement. Moi, je sais plus ou moins à peu près, mais ça revient à Aurore de le dire tout à l'heure, de vous le dire, enfin, de te le dire tout à l'heure. Il y a tel ou tel montant dans le PayPal. Tout à fait. Donc, ça veut dire que jusqu'à ce jour, de ton côté, tu n'encaisses pas de l'argent. Tout l'argent qui a été donné jusque-là, c'est Ça du va côté de directement toi. dans le PayPal. OK. Merci. Bonsoir, bonsoir, Chatri. Pour mes condoléances hein, et puis beaucoup de courage. C'est pas facile pour un fils aîné de gérer le départ plus que de sa maman. En plus, une maman qui est venue juste en vacances et qui est partie comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà les causes de décès, si ça ne te dérange pas? Comment est-ce que ta maman elle est partie et puis qu'est-ce qui fait que c'est la question que j'ai posée à Barbara. Pourquoi est-ce que ta maman qui est morte au Cameroun, pourquoi vous avez envie qu'on rapatrie le corps et pourtant très, très souvent, c'est le contraire qu'on fait. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait à tout prix rapatrier le corps ici et pourtant l'argent qu'on pourrait collecter peut-être pourrait t'aider, toi qui es là-bas au Cameroun avec tes autres frères et sœurs, je ne sais pas, au lieu de donner 6 000 euros pour un rapatriement parce que ça pourrait aider à faire autre chose là-bas. Vas-y, explique-nous.
déjà les causes du décès de ta maman et puis quand on en est là, il faudrait rapatrier le corps en France. Bonsoir à tout le monde. Déjà, je tiens à vous rappeler que ma mère est venue ici, elle était en bonne santé, donc elle n'était pas malade, donc elle était en forme. Elle ne m'a jamais dit un jour qu'elle a mal à la tête ou bien qu'elle a mal quelque part. Elle a été en forme jusqu'à ce jour du 13 février où elle a eu un malaise. Parce qu'elle s'est relevée ce matin, elle était en forme et elle a même mangé, elle a bu, après elle est rentrée à la maison, elle dormait. Après, elle a eu un coup de fil. Pendant quelques heures, un coup de fil au téléphone, c'est là où elle a commencé à perdre la mémoire. Donc, elle avait de la peine à sortir les paroles dans sa bouche. Je me suis levé, je suis venu regarder comme maman, c'est comment. Elle me parlait, elle me répondait en chiffres 45, 05, 02. C'est comme ça qu'elle me répondait. Directement, j'avais mon oncle là qui est aussi là, dans l'autre chambre là. Je suis allé le toquer, que ça ne va pas. Maman, elle se sent fatiguée. Et on peut essayer de regarder. Et puis, il est venu regarder. Le temps qu'il regarde, moi, j'ai couru vite aller chercher le médecin le plus proche. Il est venu regarder. Et quand il est venu, mon oncle dit non, ça va déjà. Elle dort. On n'a plus besoin de regarder. Elle dort déjà. Elle se repose. Il dit, elle se repose comment? Mais tout à l'heure, j'ai vu, ça n'allait pas. Il faut qu'il regarde quand même. Il faut qu'il regarde. J'ai insisté. Le monsieur est venu la regarder. Il dit que non, elle ne dort pas. Elle est au coma. C'est là où le monsieur a pincé ma maman. Donc, il a arrêté, il a tiré la peau. Elle n'arrivait pas à se réveiller. Et il dit non, elle est au coma. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Donc, le temps de la porter pour l'hôpital, elle avait déjà pissé sur elle. Quand on est arrivé à l'hôpital, quelques minutes là, on nous a dit qu'elle est morte. Elle est morte à passer sur le canet. Elle est morte à 18h28. Et à 19h, il y avait, parce que mon grand-père avait deux femmes. Donc, mon grand-père a eu deux femmes. Et ma mère avait des frères, même père, et non, même mère. Donc, il y avait ses frères, même père, même mère, et les autres, même père, et chacun avec sa mère. Maintenant, l'autre clan qui était même père avec ma mère, ils ne causaient pas avec ma mère depuis très longtemps. Ils ont des problèmes parce que ma maman a acheté un terrain ici à Ebolova où elle les a fait prendre l'argent de loyer parce qu'elle a fait les chambres là et chacun venait prendre son loyer. Et pendant ce temps, elle les envoyait aussi de l'argent et elle a même payé, elle a stabilisé beaucoup de mes oncles. Maintenant, moi j'étais la dernière personne que je positionne sur mon fils parce que moi, je me suis toujours battu pour tous ceux qui me connaissent. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que le petit a un problème de l'image aussi. Aurore, est-ce que tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Hein. Voilà, je crois que c'est lui qui a un problème. Ah, voilà. Oui, oui. Oh. Il a un problème de réseau. L'esprit est très fort là, ça commence à casser les téléphones. On va y arriver. Voilà, c'est Michel qui revient, elle était partie tout à l'heure. Fatigue. Je crois que le petit a un problème. Tout ça là, moi, je suis fatiguée, je suis venue crier partout. Si vous voulez, prenez le relais et il faut gérer le problème parce que je préfère qu'on prenne le relais et qu'on me laisse tranquille. Parce que moi, je comprends pas. On va se calmer, il n'y a pas de souci. On va trouver une solution. Tout à l'heure, quand tu n'étais pas là, je ne connais même pas la paix. Je ne la connais même pas, ma paix. Toi, je suis venu cogner. Est-ce que toi, tu me connais? Moi, pourtant, je te coche sur le temps, non? Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de
de souci au revoir. Tu as dit non, il y a un œil, je vais payer. Non, tu as dit que tu m'as donné quelque chose. Je comprends pas. Il y a quelqu'un qui a un retour là. Quelqu'un essayait de baisser de l'autre côté là-bas. C'est pas moi. Michel, peut-être que c'est de ton côté. Hein. Ah bon? Un retour, c'est-à-dire? Voilà, là, c'est bon, là, oui. Donc, oh. Oh là là, ça revient ici. On a l'écho. Oh, Michel, pourquoi que ça vient de toi, l'écho? Mais pendant que vous parlez... Non, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, Michel, moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, peut-être, j'ai... Peut-être que tu as un téléphone et un casque ouvert à côté. Pourquoi? Ah, peut-être parce que j'ai mis le... Oui, le kit main libre, oui. Bah, j'enlève tout le... Fait, c'est pour ça, ouais. Moi, voilà, c'est pardon, clair. Pardon, Aurore, s'il te plaît, Aurore, s'il te plaît, écoute-moi deux minutes. Tout à l'heure, Michel nous a expliqué, on a parlé du PayPal. On voudrait juste savoir jusqu'à ce jour, par rapport aux 6 000 euros qu'on réclame, combien vous avez déjà dans le PayPal. Attendez, je vous envoie ça en direct. Attendez, ne quittez pas. Attendez. Non, mais on va te voir sur parole. De toute façon, le PayPal, on peut contrôler après. Tu n'as pas besoin de nous. Tu nous donnes juste le montant. Je vois aussi son image figée là. Je crois que Aurore a de nouveau les problèmes de connexion. Ouais, je crois qu'elle a un problème de connexion. Oui. Ouais. Je ne sais pas si on va y arriver. Mais Michel, plus ou moins, le temps qu'elle revienne, tu as un montant, plus ou moins? Sincèrement, je ne pourrais pas dire. Ok, ben, on espère qu'elle va avoir de nouveau la connexion. C'est mieux que c'est elle qui dise parce que c'est elle qui a le montant. Ouais, mais là, même le fils est parti. Jusque-là, il n'a pas envoyé l'invitation. Mais bon, en attendant tout ce monde, Michel, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix rapatrier le corps ici au lieu de d'utiliser... Alors, ouais. Déjà, c'est pas nous. Enfin, quand je dis nous, c'est moi, Aurore et Cristal. C'est pas nous qui souhaitons que le corps revienne en France. C'est le fils, donc Chatri, qui était tout à l'heure, qui était connecté, qui souhaite que sa mère revienne en France par rapport à tous les problèmes qu'il y a au Cameroun, les problèmes de famille. Donc, c'est vraiment compliqué. Voilà. Et sachant aussi qu'on... Mathilde a deux enfants qui sont dans le sud. Le deuxième a 21 ou 23 ans et la petite dernière qui est encore mineure. Donc, c'est pas nous, en fait, qui souhaitons que son corps revienne. C'est, on accompagne son fils dans cette démarche-là. OK. Mais quand vous l'accompagnez dans la démarche, vous ne lui donnez pas des conseils que, déjà, connaissant les prix, un corps qui est enterré ici, tu sais très bien comment ça se passe. Il y a l'allocation du cimetière. On en a parlé. Bon, déjà, on en a parlé, mais c'est son souhait. C'est ce qu'il aimerait. Maintenant, si on arrive à faire le nécessaire pour que sa maman vienne là, parce que bon, sa mère avait pris un aller-retour. Et si on parvient à le faire, tant mieux. Si on n'arrive pas, on lui a dit que voilà, si on n'arrive pas par rapport à X ou Y, on ne sait pas. Si on n'arrive pas, bah, l'enterrement se passera dans un lieu où il aura choisi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'option, la dernière option au cas où on n'arrive pas à rapatrier le corps pour X ou Y. Voilà. C'est ce okay. qu'il aimerait pour sa mère, pour la mémoire de sa mère, pour qu'elle soit enterrée dignement et qu'elle soit dans un cadre où, par exemple, c'est son petit frère et sa petite sœur peuvent souvent aller lui rendre visite, ou certaines copines qui sont portées disparues pour le moment, qui auront peut-être envie, peut-être dans un an, ou aller voir Mathilde
et déposer peut-être une fleur, chose qui n'est pas possible au Cameroun, sachant qu'elle n'a plus de parents. C'est Mathilde qui était quand même, qu'on le veuille ou pas, le pilier de cette famille. Maintenant, on sait comment ça se passe dans certaines familles. Hein. Quand tu n'es plus là, tu n'es plus là, et on va te jeter quelque part et puis voilà, on ne pense plus à toi. Ok. Ok, Michel. On va, puisque le fils est là et qu'il a de nouveau la connexion, on va en profiter le temps que voilà. Peut-être la connexion ne repart. Mais avant cela, je vais vous présenter ces filles. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est ce que Aurore vient de m'envoyer. Donc, c'est le montant on voit rien. Du PayPal 900. On voit rien. Vous voyez rien? Il faut baisser un peu. Voilà, encore, voilà. Non, on remonte légèrement. Super, parfait. Voilà. Là, c'est le montant du PayPal. Donc, j'espère que vous avez trouvé 975 et 85 centimes d'euros. Donc, voilà, Chatrie, tu nous expliquais justement, je te demandais à l'instant pourquoi. Ce que j'étais en train de dire, c'est. Le corps de ta maman peut être ici parce que cet argent pourrait t'aider à faire. Peut-être à l'enterrer là-bas et puis à t'aider à survivre avec ta famille. Je ne sais pas. Pourquoi à tout prix, il faut qu'elle revienne. Je pense que j'ai répondu à cette question. Maintenant, c'est à lui de y répondre. Non, non, j'ai dit. Je vais te demander à Chatrie, le fils. Ah, voilà, ok, d'accord, oui. Ouais. Le jour qu'elle est décédée, donc à 18h28, à 19h, ses ennemis étaient déjà là, dans l'autre côté de la famille, avec qui. Demande à quoi j'allais fermer la bouche avant de voir. Donc, ses ennemis étaient déjà là à 19h, à la mort. Ils m'ont insulté, fatigué là-bas, insulté même ma maman encore. Oh là là, il a vraiment des problèmes de réseau. Là. Oh là là là. Est-ce qu'on va s'en sortir dans ce direct? Voilà. Ils étaient déjà à 19h. Mon petit Chatrie. Allô? Oui. Oui, mais on avait été coupé. Voilà. Tu peux reprendre. Il n'y avait plus de réseau. Voilà. S'il vous plaît, peut-être que le direct est attaqué. Envoyez un peu le cœur, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. J'ai l'impression que le direct est attaqué. Envoyez les cœurs partagés. Voilà. Voilà. On ne comprend pas la communauté camerounaise. On parle d'une histoire de deuil. Jusque-là, les gens ont envie de signaler les directs. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes là, 500 personnes. Faites 500 partages, envoyez des cœurs pour les 500 personnes, ça va sécuriser le direct. Là, ce n'est pas un direct qui coûte de l'argent, moi je ne gagne rien dans ça. Je suis là pour une cause vraiment noble. On parle de quelqu'un qui est parti, on parle des enfants qui souffrent, et il y a quand même des malpensants, si je pourrais dire, qui sont là à signaler le direct. Vous êtes connectés, vous n'envoyez même pas les cœurs. Ça veut dire que vous leur donnez vraiment cette autorisation de signaler le direct. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, comme ça on avance. Voilà, merci. Merci, maman Pauline Sico. Ok, Chatrie, tu nous entends, tu peux continuer. Donc, l'autre famille, là, ils étaient déjà là pour me dire qu'ils sont venus avoir la confirmation qu'elle est morte. Et maintenant qu'elle est morte, ils vont voir comment. Je vais l'enterrer. Bon, le lendemain, ils sont venus. Ils m'ont encore insulté ma maman, me menacer de quitter le camp de la maman. Pourquoi? Parce que eux, depuis, ils ont toujours voulu prendre même du vivant de ma mère. Et c'est pour ça aussi que maman était venue ici, parce qu'elle était venue témoigner sur le problème de ce terrain. Et le vendeur aussi est venu. Le vendeur a dit, il a témoigné aussi qu'il a vendu le terrain à ma mère. Et que les papiers sont au nom de ma maman, il ne peut pas faire autrement. Et que ceux-là, ils ne les connaissent pas parce qu'ils sont arrivés jusqu'à chercher à corrompre le vendeur pour que si le vendeur peut leur donner, les truquer, essayer de les faire prendre, hériter aussi de ce camp-là. Et maintenant,
Le vendeur dit, lui, ne veut pas de problème. Et lui, il sait que sur les papiers, sur le nom de ma mère, il ne peut pas les donner ça. Donc, maintenant, moi, je voulais les abandonner avec. Pourquoi? Parce qu'ils me promettent déjà la mort. Ils me menacent même avec le couteau. Depuis que ma mère est morte, ils ne causaient pas avec ma mère. S'ils viennent déjà à l'hôpital le même jour, ils font comment pour être au courant qu'elle est morte et qu'elle se trouve dans tel hôpital. Et moi aussi, je sais que ma mère a toujours vécu en Europe et j'ai un petit frère, une petite sœur. Et ça leur fait aussi du mal. Puis ils n'ont pas vraiment vécu ça avec leur maman, être avec leur maman, qui reste comme s'ils ne voyaient même plus jamais leur maman. Donc, pour elle aussi, son souhait, c'était que si elle se fait enterrer, que tous ses enfants puissent l'enterrer ensemble. Et mes frères, et mon frère et ma soeur ne peuvent pas venir ici parce qu'ils ont peur, puisque leur mère est morte d'une mort mystérieuse. Sur son carnet d'hôpital, on écrit mort non naturelle. Ça veut dire qu'elle n'était pas malade, elle n'avait rien. Donc, elle est morte comme ça. Donc, beaucoup de gens ont peur de venir d'eux parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'elle est morte. Donc, et moi aussi, je sais que mes frères, là, au moins ce mois, j'ai vu quand même, j'ai passé les derniers moments avec elle. Ma petite sœur, là, si elle pourrait même, si au moins elle peut voir quand même, rendre un dernier hommage, parce que chez nous on appelle ça rendre un dernier hommage, et il faut que ça se passe dans la paix. Et la seule façon que ma mère pourra avoir un dernier hommage dans la paix, c'est, je ne pense pas que ça soit ici. Pourquoi? Parce que si on me menace avec le couteau, le même jour qu'elle est morte et de son vivant, on me menaçait déjà. Donc, je sais déjà que en l'enterrant ici, là, le jour là, ça serait les bagarres, ça serait ceci. Et ce n'est pas bien, même dans la tradition, qu'on enterre, on peut rendre un dernier hommage à quelqu'un dans la haine, dans la guerre. Et la seule façon d'avoir cette tranquillité d'esprit aussi, que je sais que non, j'ai enterré ma maman dans le calme, c'est loin d'ici, parce que j'ai même dit à mes tantes et mes oncles là, essayons de trouver un terrain d'entente. Mais pour eux, le terrain d'entente, c'est que il faut que je leur remette les papiers du terrain, il faut que je quitte d'ici, il faut que, donc eux, ils cherchent seulement l'intérêt. Moi, j'ai toujours vécu de ce que Dieu m'a donné, de mon talent, même quand j'étais à Douala, Yaoundé, Kribi, Limbe, partout, j'ai laissé mes traces de peinture, d'artiste. On sait qu'à France, c'est un artiste, c'est un méchant dessinateur. Donc, moi, j'ai toujours eu cet esprit de paix-là. Je ne me vois pas aujourd'hui transformer mon âme en haine, venir tout le temps être là dans les combats, même le jour où je dois enterrer ma maman. C'est bizarre. Donc, il faut que j'enterre ma mère dans la tranquillité, dans la paix. Et que mes frères aussi puissent l'assister, qu'ils puissent voir leur maman, qu'ils puissent lui rendre un dernier hommage. Parce que déjà, ça ne va pas. Parce que elle est morte le 13 février. Le 14, il y avait déjà des injures sur Facebook. Le 14, le lendemain, tout ça, ça se passe ici au Cameroun. Il y avait déjà des injures, j'étais déjà perdu, même au point où je suis allé récupérer même son passeport, sa carte d'identité, tout, c'était déjà dans le sac d'un de mes oncles. Qu'est-ce que depuis là, je suis troublé. Donc, je vois seulement que je ne comprends pas. C'est... Okay. On comprend bien ta douleur, mais je voulais te demander... Et puis, je voudrais répondre à toutes ces personnes. Je vois des gens écrire « Elle avait un billet d'avion aller-retour ». Il faut bien remarquer qu'une femme, que ce soit un homme ou une femme, quand vous allez en vacances au Cameroun, vous avez un billet d'avion et que, par malheur, vous mourrez là-bas et qu'il arrive la situation sur laquelle nous sommes aujourd'hui où il faudrait rapatrier le corps ici, le billet d'avion n'a pas de valeur. Parce que le billet d'avion de ça. Chatri, il faut leur dire qu'on a même contacté même la compagnie aérienne. On a tout essayé. Voilà, tu veux juste expliquer parce ça que... sans même pouvoir avoir parlé avec ton fils. Un billet d'avion de quelqu'un qui est vivant n'est pas comparable à un billet d'avion de quelqu'un qui est mort. Donc,
il faut arrêter très souvent quand on parle des choses sérieuses d'amener des conneries merci. Qui n'ont rien merci, à voir. Merci. Vraiment, il faut arrêter un peu. On est dans une situation douloureuse. Elle est morte, là, elle est morte. On fait quoi? C'est-à-dire, il ne faut pas réfléchir comme ça quand on ne peut pas prendre le biais. Quelqu'un qui est mort, son rapatriement est autrement qu'une personne vivante qui rentre dans la vie. Dans un siège. Quelqu'un qui est mort dans la soute. C'est la même chose. OK. Au revoir, s'il te plaît. Alors, je voulais chanter. Mais est-ce que tu es en train de nous expliquer que, en fait, au Cameroun, ta maman ne t'entendait plus avec personne de sa famille que toi? Non. Elle s'entendait avec ses frères, même père, même mère. On est allé la chercher même à l'aéroport ensemble. C'est dans ça que je dis donc que tout ce temps, j'étais avec mes oncles, même père, même mère, avec ma mère. Mais le jour qu'elle est morte, je vois maintenant l'autre camp qui est déjà à l'hôpital, mélangé avec mes oncles, même père, même mère, qui marchait avec moi tout ce temps avec ma mère. C'est là où je me dis que... Donc, conclue. Ça veut dire que je marchais avec les traîtres. J'étais avec les traîtres. Je ne savais pas. Et quand ma mère, moi, j'ai annoncé à son répertoire, j'ai envoyé le message à son répertoire. C'est là comme ça que je suis tombé sur Maman Aurore, Maman Cristal, Maman Michel et Somba. Je les ai expliqués. Et chaque fois, j'envoyais les vidéos. Voilà. Chaque fois, j'envoyais les vidéos des menaces, des gens qui témoignaient de leur réunion, qu'ils ont dit qu'ils vont te tuer, ils vont te faire du mal, ils vont t'envoyer en prison. Ceci, je faisais les vidéos avec mon téléphone, j'envoyais dans son répertoire. Bon, et ce sont ces mamans-là, vraiment, ça les a touchés. Il y a d'autres mamans qui m'envoyaient les prières, tout ça. Bon, c'est comme ça que j'étais entré en contact avec les mamans. J'ai commencé à les expliquer. Excuse-moi, mais les frères, les sœurs de ta maman, ceux-là qui étaient là chercher à l'aéroport, est-ce qu'elles pensent comme toi qu'il faut à tout prix rapatrier le corps ici en Europe, en France? Non, et ils avaient déjà fait leur programme même du deuil sans me dire quelque chose, sans participer. Parce qu'ils savaient qu'ils m'ont demandé même le téléphone de maman, ils savaient qu'on va envoyer l'argent du deuil. Ils vont faire comme ils vont faire. Ils ont dit diaspora. De la diaspora, ils ont fait le programme du deuil, je n'étais pas même au courant. Je les ai laissés même à la maison ici, de faire une réunion ici. Je suis parti le jour-là parce que j'ai vu, ça me paraissait, j'ai donné la responsabilité à mon oncle, je sais que bon, tu es le frère de ma mère, même père, même mère. Essayons un peu que bon, on a eu deuil, nous-mêmes, on se prépare comment? Comment est-ce que nous-mêmes, on prépare déjà le deuil? Donc, il faut que nous-mêmes, on prépare d'abord le deuil nous-mêmes. Maintenant, quand je viens au moment du compte rendu, je sais qu'on va me dire que voilà ce qu'on a décidé, voilà. Au contraire, je me rends compte qu'on me dit seulement qu'il faut que tu donnes les papiers du terrain, on a dit qu'il faut que tu quittes ici, tout ça. J'ai fait une vidéo, tout le monde du quartier témoignait là. Le même jour, les gens ont fait toute une fête ensemble. Ça m'a fait bizarre. Les chefs du quartier se sont levés. Les chefs du quartier sont venus que mais c'est quoi ça? Deux secondes. Monsieur Messam, j'ai une proposition à faire. Parce que là, le direct va dans tous les sens. Moi, ce que je propose, c'est que le direct soit reporté. Et là, d'ici là, qu'on t'envoie tout ce qu'on a concernant Mathilde Brun. Comme ça, tu sauras sur quel terrain tu t'avances. Parce que là, le direct, en faisant le direct, il faut vraiment que tu saches, que tu sois vraiment au courant de toute la situation. Et avec les preuves à l'appui, et te mettre aussi en contact avec l'avocat qui est au Cameroun, l'inspecteur, les différents inspecteurs qui sont dans le qui suivent cette histoire. Voilà, on est dans on est dans un truc, tout se fait légalement. Voilà. Donc là, il faut pas que Chatry vienne avancer certaines choses et toi en prenant ce dossier en main,
il y a certaines questions et certains trucs que tu vas éviter pour sa propre protection à lui. Parce qu'il est exposé. Si, ne l'exposons si pas nous, plus que ça. Si nous ne serions pas là, ce gamin-là, ne l'exposons pas plus que ça. C'est un enfant qui est en train de pleurer, sa mère. Aurore, s'il te plaît. Tuer quelqu'un là-bas. Il aurait été tuer quelqu'un. Il aurait été tuer quelqu'un. Aurore, s'il te plaît. Michel, vas-y, finis, s'il te plaît. Non, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Enfin, la proposition que je viens de faire. Parce que là, tu as lancé un direct parce que voilà, tu as été touché par la démarche. Mais en étant touché par la démarche, il faut que tu aies les preuves concrètes de ce qu'on est en train de dire. Voilà. Okay. Oui, c'est vrai. Michel, c'est... Ok, oui, Michel, ce que tu dis est pertinent. Mais en même temps, tu sais, on parle d'une situation de mort. On n'a vraiment pas les preuves, tu sais, on a son enfant là. Je mais crois là, qu'il est mort. C'est Chris, non? C'est Aurore, son s'il te fils, plaît. Hein. Aurore, okay, s'il te plaît. Ok, papa, je me tais. S'il te je plaît. Donc, je disais, on a son pas, enfant. Je crois que tu es majeur, non? Il a 33 ans. Voilà, tu as 23 ans, voilà. Donc, 33, je crois que 33, normalement... 33. Ok, normalement, dans la tradition africaine, normalement, quand les choses se passent dans la façon la plus normale, il est le fils aîné, c'est lui qui s'occupe des obsèques de son père ou de sa pourquoi mère. C'est... donc depuis le début, personne ne lui a donné ce droit-là. Pourquoi donc depuis le début? Aurore, si je ne peux pas parler, on ne va jamais s'entendre. Ok, papa, ok, je me tais pas. Je me tais. Donc je disais, Chartrie, normalement, c'est-à-dire, moi, je n'ai même pas besoin de parler avec les avocats, j'ai besoin de parler avec Chartry, parce que dans la logique des choses, c'est ce qu'il aura décidé pour sa maman qui va se passer. Il n'y a personne d'autre qui peut décider pour sa maman, lui étant en concertation avec ses frères et sœurs, je veux dire, peut-être ceux qui sont ici. Donc, moi, je pense qu'on peut faire même plusieurs directs, ne serait-ce que pour collecter de l'argent. Mais au jour d'aujourd'hui, puisqu'une collecte a commencé. C'est une question d'argent, c'est une question d'argent. Une collecte a commencé. Aurore, je crois que je vais couper ton son tout à l'heure. Mais coupe alors, pas. Coupe. Tu n'es pas ça. Tu comptes, non. Ça fait du bien, tu nous fais quand même rigoler, c'est bien. Non, je ne sais même pas que je suis ta propre soeur du village. Coupe là-bas. Non, je ne coupe pas. Non, tu as des choses à dire pour rester là. Je voulais juste dire à Chartri, franchement, dans la tradition africaine, Chartri a le droit sur le corps de son père ou de sa mère. On sait comment ça se passe en Afrique, c'est-à-dire les histoires d'argent, ça crée toujours énormément de problèmes, on le sait. Donc même Chartri peut s'entourer des avocats et tout, il n'évitera pas ces histoires de jalousie, ces histoires où on va lui promettre la mort, ces histoires où je ne sais même pas la maison dans laquelle il est, si elle appartient à sa maman, ses sœurs et frères viendront demain lui dire que c'est notre don. Tout ça, on sait comment ça se passe en Afrique. C'est notre pays, on vit comme ça. Mais toujours est-il que vraiment le mot de la fin revient à ce garçon. C'est-à-dire, moi, je préfère être en contact qu'avec lui que d'être avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire mais que lui peut parler avec tout le monde. Si toi, tu me dis que tu es d'accord, moi, ça me va. Hein. C'est simplement ça qu'on attendait depuis là. Je quitte partout. Si tu okay, es d'accord avec Chartry, le fait Chartry, que... Voilà. Si vraiment les choses ne s'arrangent pas, parce qu'aujourd'hui, on va encore appeler Aurore, est-ce que tu peux envoyer le PayPal? On va l'épingler à ce direct-ci pour que les mais gens... attends, on avait déjà pris le PayPal de sa soeur. Ok, bon, j'envoie mon PayPal. Toi, tu n'as pas de PayPal. Toi, tu as un PayPal, non, pas? Non, le PayPal que tu m'as envoyé, là, qui a de l'argent, si on peut l'épingler ici. Ok. Est-ce que tu peux l'envoyer? Après, on va encore venir m'insulter là-bas. Pas... Non, franchement. Non, moi, je ne veux pas. Non. Mais, Aurore,
puisqu'on doit cotiser de l'argent. Envoie le PayPal par message, on va l'épingler, s'il te plaît. OK? OK. Voilà. Envoyez. Mais en même temps, ne venez pas m'insulter derrière parce que je ne connais pas cette femme. Je ne la connais pas, je l'ai appelée, elle est fatiguée. Non, ça va. Je ne la connais pas. Ça va aller. Moi, je ne connais pas, je ne connais pas Mathilde Brun. Je ne l'ai jamais vue. Vous me laissez comme ça, je suis obligée de venir cogner. Si elle ne venait pas cogner à ta porte, tu allais savoir comment qu'il y a un problème. Oh, moi, toi, tu as ouvert ta porte, non? Toi, moi, tu as ouvert. Tu sais le nombre de portes auxquelles j'ai cogné depuis la personne a ouvert. En tout cas, pour l'instant, Charty est parti. En attendant qu'il revienne, moi, je veux plus. C'est pas Charty qui est parti, c'est Mathilde. Non, je veux dire du direct, là. Aurore. Charty est parti du direct. Je crois qu'il a des problèmes de connexion. Pourquoi m'inviter dans votre direct? Il va revenir. Okay. En tout cas, je te jure qu'à plat ventre, je te remercie parce que je ne m'attendais même pas à ce que tu fasses tout ça. D'accord? Je te remercie à plat ventre. Ok, au revoir. Je te remercie. Est-ce que je peux placer un mot maintenant, s'il te plaît? Ok, vas-y, pars. Voilà. Donc, je disais, Michel, moi, je pense que comme on a commencé, vous avez commencé une quête. Je pense que j'espère qu'il va revenir tout à l'heure, je vais lui poser cette question. Je ne sais pas s'il travaille, s'il a des revenus. Est-ce qu'il pouvait, je vais lui demander tout à l'heure. Mais je pense que ne serait-ce que pour les obsèques de sa maman, et comme sa maman vivait ici en diaspora, mais malheureusement, toi, dès que tu t'es présenté là, tu n'es même pas l'ami, tu l'as rencontré une ou deux fois. Aurore, pareil. Elle me dit, t'es vraiment pas l'ami. Mais est-ce que ici en diaspora, en fait, les amis avec lesquels vous n'êtes pas en contact, je pense que c'est les amis qui ont fait la veille à Nice, c'est ça? Bon, personne n'a compris ce que j'ai dit. Michel, tu n'as pas compris. Non, mais moi, je t'écoute. Je te dis que c'est pas ça, c'est pas ce que tu penses. Michel, parle, parce que Michel est plus calme que moi. Michel, explique. Ok, permets à Michel de parler alors. C'est sa petite sœur qui est à Nice, qui s'appelle Sophie, qui a organisé une veillée. Voilà. Ok. Je vais pas vous demander, j'espère que le petit revient pour qu'il nous explique si au moins il est en contact avec cette tata-là. Il va revenir, il va remonter là tout à l'heure. Voilà, mais moi je pense vraiment que si les choses ne marchent pas, je crois que Chartry est déjà majeur. Il va prendre l'engagement d'enterrer sa maman. C'est vrai qu'il veut faire... Justement, depuis le début, Chartry a dit que sa maman ne veut pas se faire enterrer au Cameroun. Non, c'est pour ça que je suis en train de dire, Aurore, si ça ne marche pas, vraiment la dernière des solutions, ce sera de l'enterrer là-bas. Pardon, malheureusement, pour ses enfants qui tombent ici. Qui sont ici. Comment ça? On fera. Il a dit la dernière solution, c'est l'éventualité. Voilà. La dernière solution, c'est ce qu'il a dit, non? Oui. C'est ce que je suis en train de dire, oui. C'est une éventualité que si au cas où on n'arrive pas à collecter les fonds de rapatriement, il faut aussi envisager le on vous voilà. A demandé que si chacun a son 20-20 euros donné. D'accord? On ne vous a pas demandé plus que ça. Aurore, si tu avais déjà épinglé, si tu m'avais déjà envoyé le PayPal, je l'aurais épinglé là. Peut-être les gens seront Mais non, hier, vous m'avez dit envoyez-moi le numéro. Je vous ai envoyé le numéro de Michel. Non, Michel a son numéro. Je vous ai envoyé le numéro de Michel. Non. Michel m'a dit qu'elle n'encaisse pas de l'argent. Là-bas, je disais que ce direct, il va dans tous les sens. Soit on arrête parce que Aurore est fatiguée. Aurore a eu les mêmes pathologies. Vous savez, que moi, m'insulte partout sur des histoires que je connais même pas. Eu un cancer direct parce que là, ça n'a plus de sens. Ça a tout au théâtre. Je suis désolée. On peut
une personne qui est décédée. C'est un sujet sérieux. Aurore n'est pas dans son état. Non, mais ce qu'on peut faire, Michel, on ne va pas arrêter le direct pour Aurore. On peut juste descendre Aurore le temps qu'elle reprenne ses esprits. Elle est la pièce maîtresse. Il faut qu'elle donne le PayPal. Elle est la pièce maîtresse. Voilà, c'est pour ça que je lui demande justement. Voilà. C'est pour ça que je te dis, Aurore, le PayPal que tu m'as envoyé tout à l'heure à Inbox, envoie-le ici en message, je vais l'épingler. Comme ça, les gens vont voir. Et ceux qui en vont. Jusqu'à tu veux qu'on vienne insulter, on va encore dire qu'elle vient voler l'argent des gens. Aurore, on s'en fout des insultes. On est arrivé, parce qu'on n'a pas déjà dit sur qui. On s'en fout des insultes. Voilà, tu as déjà commencé, Aurore. Okay. On est là pour Mathilde. On s'en fout des insultes. Envoie-moi le PayPal en message. PayPal, on s'en fout des insultes. Voilà, envoie, fais l'épingler, s'il te plaît. Et tu m'arrêtes et pleures là où moi je sors de là. Non, Michel, tu ne peux pas sortir. On est là pour une bonne cause. On va tout supporter ce soir. C'est pas facile. Il y a le fils qui est mal de l'autre côté. Il y a toi qui es mal, il y a Aurore qui est mal, il y a la famille. On va essayer de gérer ça pour qu'on donne la vie aux gens de profiter. Parce que si ça va dans tous les sens, justement, les gens ne pourront pas avoir l'envie de cotiser. Donc Aurore, envoie-nous le PayPal, s'il te plaît. Bon, en plus, le son de Aurore est parti. On n'a plus de son. Michel, toi, tu m'entends? Oui. Ok. C'est Aurore que je n'entends plus. Aurore, envoie le PayPal, s'il te plaît. Voilà. Moi, je voulais quand même dire, lancer un message à toutes ces personnes qui connaissaient Mathilde Brun ici en diaspora. Ces personnes qui étaient proches d'elle. Je crois que quand ça se passe comme ça, il faudrait avoir cet esprit de solidarité. Il faudrait penser à des moments qu'on a eu avec cette personne. La technique, si le PayPal arrive, essayez de l'épingler, s'il vous plaît. Donc, il faudrait avoir de la compassion pour cette famille, pour cette femme qu'on a eue comme amie, et puis d'arrêter les polémiques qui ne nous amènent nulle part. C'est-à-dire, on peut se détester tous les jours, mais quand il y a mort d'homme, il faut mettre le frein à tout cela. Il faut arrêter tout cela et qu'on fasse les choses comme il y a lieu de faire. Donc, voilà, Charlie est de nouveau là. Voilà. Charlie, avant que ça ne coupe de nouveau, je voulais savoir, il y a eu une veillée à Nice. Est-ce que tu es en contact avec ta tata de Nice? Oui, je suis en contact avec elle. Ok, elle t'a envoyé le montant de la veillée de la dernière fois? Non. En fait, j'ai constaté qu'elle ne travaillait pas avec moi dans la transparence parce que il y a un ami de maman, ton papa Fred, okay, tata, avec qui j'ai... On laisse encore un peu, on va voir comment ça prend la suite, sinon après on va... Aurore, on attend toujours le PayPal, s'il te plaît, Aurore, envoie le PayPal en message. Aurore. Bon, Aurore est coincée, je sais pas, je crois qu'elle passe. Aurore a des problèmes de connexion. Aurore, tu m'entends? Aurore. Bon, Aurore ne m'entend pas. Ok, vas-y, Chartier, tu disais, par rapport à ta tante qui est du côté de Nice. Donc, elle m'a fait comprendre qu'il y a elle a aussi juste l'argent de mon petit frère et l'ex-mari de ma mère. Maintenant, pendant ce temps, il y a des amis de maman qui m'envoyaient les messages. Oh, on a participé chez ta tante et tout. Bon, je faisais les captures d'écran, je l'envoie, mais tu me dis que tu n'as pas reçu d'argent depuis, pas comment. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'elle ne me dit pas la vérité, vraiment. Donc, c'est ça. Mais,
au courant au niveau de rapatrier le corps ici? Est-ce que tu as parlé avec elle aussi? Allô? Bon, elle ne m'entend pas. Je vais donner la parole à Piment Show. Tu as quelque chose à dire? On t'écoute. Est-ce que Aurore a envoyé le PayPal dans ce direct? Aurore Angoula. Ah, Michel a envoyé. Ah, c'est épinglé. OK, ben voilà, merci. Les amis, s'il vous plaît, vous êtes environ 700 personnes. Excuse-moi, la PDG canadienne. Vous êtes environ 700 personnes. On parle de quelqu'un qui est parti, une personne qui vivait dans cette diaspora. Le PayPal est épinglé. S'il vous plaît, les âmes de bonne volonté, cotisez. On nous a dit, après avoir fait le calcul, si 300 personnes cotisent 20 francs, ça fera l'affaire. Donc, à partir de 20 francs, ou alors chacun cotise comme il veut. Hein. Vraiment, le PayPal est épinglé, s'il vous plaît. Sortez vos cœurs d'âme de bonne volonté, ce cœur qui nous a toujours permis de faire beaucoup de choses, ce cœur qui nous a permis, à une certaine époque, de faire entrer Charles ici, qui s'est fait opérer, tout le monde a vu, Charles Sidi, vous connaissez, ce cœur qui nous a aidé à une certaine époque, je me rappelle plus de la personne où Flore de Lille a fait un direct pour une certaine dame qui a réglé une histoire, ce cœur que les diasporiens ont toujours eu, malgré ces problèmes qui nous séparent de temps en temps, utilisez ce cœur, prenez ce PayPal et que chacun envoie tout ce qu'il peut envoyer. Le fils qui était là, j'espère qu'il va revenir, est en bon terme avec Madame Angoula qui reçoit cet argent. Donc faites-le pour Mathilde. Vous ne le faites pas pour Madame Angoula, même si vous ne l'aimez pas. Ce n'est pas pour elle que vous le faites. Ce n'est pas pour Michel non plus que vous le faites. Mais c'est pour le petit Chartier qui est venu devant nous, qui nous a parlé de sa maman. Donc, cotisez, s'il vous plaît, afin qu'on puisse rapatrier le corps de cette dame ici pour retrouver ses enfants, parce qu'apparemment, nos problèmes africains, la famille n'est pas très contente de l'autre côté. Donc, essayons d'aider à accomplir les vœux de ses enfants. La PDG canadienne. Vas-y. Bonjour, Daniel. Il y a Flore. Bonjour. Oui, vas-y, Flore Cardia, on t'écoute. Est-ce que c'est moi qui ai la parole? Oui, c'est toi qui as la parole. OK, bonjour tout le monde. Écoute, franchement, avant de commencer, je vais d'abord adresser mes condoléances à toute la famille, particulièrement à ces enfants qui sont dans la souffrance, qui sont dans les pleurs. Et c'est vraiment triste parce que ça fait quand même un bon bout qu'on a entendu le décès de cette sœur. Et pour ma part, je croyais que tout était même déjà, qu'on l'avait déjà inhumé, peut-être du côté du Cameroun. Moi, ma participation ici, c'est parce que j'ai vu d'abord Aurore qui est très embarrassée. Je ne sais pas si c'est toujours parce qu'elle en souffre ou si c'est autre chose. Et je me dis, est-ce qu'elle a la capacité de pouvoir continuer à lider ce litige? Parce que c'est un peu inquiétant. Et je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir constaté. Quand on parle quand même de litige, ça prend quand même quelqu'un qui a encore assez de bonnes facultés pour pouvoir gérer cela. Et je propose que si Aurore est vraiment fatiguée et déjà elle le dit plusieurs fois, il serait important parce que les gens aussi, quand on veut donner l'argent, on veut cotiser, on veut parfois savoir qui est derrière, qui gère cela. Est-ce que la personne a toutes ses capacités pour pouvoir le gérer? C'est très important. On est en train de demander et on voit en arrière la personne qui tient cela. Moi, je me dis, compte tenu... de la fatigue, je vais mettre ça dans le compte de la fatigue. Tan et moi, je proposerais ici peut-être d'ouvrir un deuxième litige où à chaque fois que tu vas faire ce type de direct, on va peut-être partager le lien. Nous aussi, on va partager le lien en tant que blogueur pour pouvoir faire large diffusion. C'est important parce que l'aura que quelqu'un dégage derrière le litige est très important. Il y a des gens qui ouvrent le litige ici sur Facebook, on ne met rien. Pas parce que ce n'est pas une cause juste, mais peut-être parce que la personne qui est en arrière, il faut se dire les choses telles que ça se présente. Et je pense que d'aucuns seront peut-être d'accord avec moi. Donc, si on tient vraiment
à soutenir cette famille, à ces orphelins, parce que moi, je parle plus des orphelins, parce que notre sœur laisse derrière elle 3 enfants. Il est important de revoir encore ce litige. Soit que notre sœur Michel prenne les choses à main, ou toi-même, Père Messin, on te fait suffisamment confiance, on sait que tu es un homme qui sait là où il va, que tu prennes vraiment, moi je me dis c'est la chose à faire pour que ça touche vraiment les gens, parce que là c'est un peu, quand on voit quelqu'un qui gère un litige, qui vient, qui a l'air dépressif, qui a l'air, franchement, ça ne fait pas bonne presse. Ça ne fait vraiment pas bonne presse et c'est ce que je voulais, c'était ma modeste contribution. Personnellement, ce qui est sûr, c'est que quand je vais avoir le lien, je vais mettre ma modeste contribution, ça c'est sûr. Et il faut aussi que les enfants soient aussi préparés psychologiquement qu'au cas où ça ne marcherait pas, qu'ils commencent déjà à penser au plan B. Parce que rapatrier un corps, c'est pas 2 francs, là. Ici, au Canada, pour rapatrier un corps, ça prend au moins 6 000 $. C'est exactement ce qu'on leur demande, 6 000 €, à peu près. Bon, c'est ça. Ça prend à peu près 6 000 $. Et généralement, les gens s'organisent bien ici. Nous avons les assurances, nous avons tout ce qui accompagne. Est-ce que Michel avait ça? Oui, si oui, peut-être on va seulement continuer à cotiser pour aider peut-être les familles qui vont accompagner, acheter les billets d'avion. Je comprends bien la douleur de ces enfants. Je comprends leur souffrance. Ils sont vraiment en danger parce que quand l'enfant vient parler sur Mondo Vision, c'est sûr qu'il n'a pas de menterie là-dedans. Et je profite aussi pour passer un message à nos familles africaines. Sachez que quand quelqu'un de son vivant, quand il cherche son argent, c'est d'abord pour ses enfants. Ce n'est pas pour le frère, la sœur, l'oncle ou la tante. Parce que quand on est, Dieu nous donne à tous, les parents nous donnent à tous la même chance d'émerger. Alors, il faut que les familles africaines arrêtent la sorcellerie. Moi, là, je mourrais, quelqu'un touche à mes 5 francs, je vais me retourner. En tout cas, bon, ça ne va même pas arriver parce que de mon vivant, je partage déjà tout ce que j'ai. Chaque enfant, c'est qu'ici, là, j'ai 5 francs, j'ai 10 francs. Donc, et puis aussi, il faut que ça serve de leçon aussi à la diaspora. Arrêtez d'aller construire aussi dans vos villages. Construisez les maisons et mettez au nom de vos enfants. Parce qu'en voulant toujours faire comme si on veut gâter la famille, là, la famille africaine n'a plus le cœur. Tu meurs, on chasse tes enfants, on prend le bien. On chasse la veuve, on prend le bien. Les gens, la pauvreté fait que les gens n'ont plus vraiment le cœur. Que la mort de notre sœur nous serve de leçon à nous les vivants. Que la mort de notre sœur nous serve vraiment de leçon. Apprenez à sécuriser les biens de vos enfants. C'est quoi l'affaire que vous allez construire une maison, vous allez prendre tous les oncles, les tantes et tout mettre dedans. Ils ne vont pas sortir. Oh, quand vous allez fermer les yeux, ils ne partiront pas. C'est une guerre indirecte que tu laisses derrière toi de ton vivant. Donc, sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai aussi les gens dans ma boutique. Tane, on se reprend tout à l'heure. Moi, je vais vraiment descendre. Donc, OK, ça, merci beaucoup. Merci. Michel, qu'est-ce que tu en penses par rapport au... Je te descends ou tu le fais toi-même? Je vais quitter. OK. Descends-moi. Descends-moi, Tane, s'il te plaît. Ok, Michel, s'il te plaît, tu peux nous dire ce que tu en penses? Alors, moi, de toute façon, depuis le début, j'ai toujours dit que moi, je ne voulais pas gérer le PayPal ou gérer tout ce qui est finance. C'est-à-dire, je fais juste... Je partage le PayPal. Des problèmes de connexion. J'ai toujours dit que je ne veux pas être responsable de recevoir de l'argent directement. Non, ça je ne veux pas, je le redis encore. Moi, je suis juste là pour faire participer les gens, j'interpelle les gens qui sont sensibles, qui ont encore le côté humain, vont faire le PayPal directement sur le lien d'Aurore, ou ceux qui ne peuvent pas m'envoient les PCS, ou je et je fais le PayPal. Je me limite à ça. Et voilà, je ne veux pas être responsable de quoi que ce soit financièrement. On sait toujours comment ça se passe.
Après, ça va être que Michel a volé l'argent, Michel a fait ça. Non, je veux pas de ça. Déjà là, j'en prends plein la gueule, des insultes qui pleuvent de partout, mais ça encore, à la limite, je m'en fous. Je le fais pour la mémoire de Mathilde, voilà. Mais tu ne penses pas que ce que la PDG canadienne vient de dire tout à l'heure, quand une personne, en fait, surtout concernant le Liti ou un PayPal, ça dépend aussi de la personne qui est devant, parce que très souvent, quand on ne fait pas confiance à la personne qui détient le Liti, ça ne joue pas. Moi, je n'ai jamais fait de Liti, je ne sais pas trop comment ça se passe. Voilà. Elle a bien parlé, mais c'est pas Aurore le problème. À un moment donné, arrêtons à chaque fois de chercher où il y a le problème. Cherchons plutôt des solutions. Maintenant, si on peut faire un deuxième PayPal où tu es responsable, il n'y a pas de souci. C'est toujours, ça sera toujours bienvenu. Parce que derrière, Aurore travaille énormément. Aurore s'occupe de tout ce qui est les démarches téléphoniques, appeler de gauche à droite, au niveau de l'ambassade et tout et tout. Donc peut-être que ça va être une charge en moins pour elle, je suis d'accord. Mais ce n'est pas Aurore le problème. Là, elle est fatiguée. Je vais demander de remettre ça plus tard, mais si on peut continuer sans elle dans le direct. Tu verras le direct après. Il n'y a pas de souci s'il y a un deuxième PayPal. Mais justement, c'est pour ça que la PDG disait justement s'il y a un deuxième PayPal, parce que moi, je ne m'y connais pas. Est-ce que tu peux. Et puis, un deuxième PayPal, ça va faire des ordres pour la même personne. C'est-à-dire, on parle d'une même cause et on fait deux PayPal. C'est-à-dire, vraiment, ça fait des ordres. Si, définitivement, on fait confiance à Aurore, ben on continue avec son PayPal. Mais ce que la PDG canadienne a dit est vraiment pertinent. C'est-à-dire la personne très souvent qui est devant, quand on ouvre un PayPal, moi ici, par exemple, sur la toile, je vais le dire au pif comme ça, on est des personnes sur lesquelles on ouvre un PayPal. Je vais quand même apporter un éclaircissement parce que dès le départ, Aurore n'était pas d'accord pour que le PayPal soit son nom. Elle me l'a dit aussi. Voilà. C'était parce que la sœur même, qui est Sophie, ne voulait pas de PayPal. Elle disait non, mais j'ai pas de PayPal et tout et tout. Et plus tard, on s'est rendu compte qu'elle a mis un PayPal en ligne. Donc c'est pour ça que dès le départ, c'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Et nous, on voulait vraiment être dans la transparence. Parce que même quand quelqu'un m'envoie une PCS, je fais la capture d'écran. On a un groupe WhatsApp où c'est que pour les comptes. Où voilà, et je demande toujours à la personne, quand tu envoies par exemple une recharge PCS ou peu importe la recharge, je fais une capture d'écran et j'envoie à Aurore parce que c'est Aurore qui s'occupe de ça en fait. Maintenant, si tu es d'accord, pour que tout soit transparent, qu'on reste toujours dans la transparence. Dès que je reçois quoi que ce soit, je t'envoie. Et voilà. Mais moi, je ne veux pas qu'il y ait quelque chose à mon nom par rapport à un PayPal ou non. Même les envois d'argent à mon nom, je ne veux pas. Je fais la PCS parce que bon, les gens disent que oui, mais PayPal, c'est compliqué et tout. On a dit, bon, voilà, on va être d'accord pour les PCS. Voilà. Et mes proches qui ont participé jusqu'à maintenant, qui m'ont donné encore leur parole que voilà, on va faire le nécessaire. Quand on m'envoie un lien, je fais le nécessaire. Mais en même temps, sachant que... Tout à fait. Oui. Mais en même temps, on m'a dit qu'on signalait les PayPal. Si jamais, parce qu'il y a toujours des personnes tordues, si jamais c'est ce PayPal est signalé, et qu'on a mis assez d'argent dessus, qu'est-ce qu'on fait? On va débloquer. On va débloquer par nos poches parce qu'on est responsable. Parce qu'à partir du moment où on s'engage dans un truc comme ça, c'est que demain ou après-demain, si comment je vais dire, on avait parlé de ça avec Aurore, hein, et puis Crystal, malheureusement, qui ne peut pas se connecter parce qu'elle est au Cameroun présentement. On s'est dit, voilà, mais si jamais demain ou après-demain, connaissant la mentalité de certaines personnes, si voilà.
se trouve que le PayPal est bloqué, qu'est-ce qu'on fait? Naturellement, on s'est dit, voilà, si c'est bloqué, on va, de nos poches, on va débourser le montant qui a été bloqué en attendant que le PayPal soit débloqué ultérieurement. Mais tu vois pas que ça fait beaucoup de risques quand on a pris rendez-vous, par exemple, au Cameroun pour payer le transporteur, et qu'au moment où on veut retirer, peut-être le PayPal il est bloqué, et qu'à ce moment-là, il advienne qu'on commence à sortir de l'argent. Ben justement, de... c'est pour ça que je suis en train de dire que ce soit Aurore, moi et Crystal, on n'est pas sur plan B parce qu'il ne faut pas qu'on soit coincé. Parce que quand on s'engage dans un truc comme ça, il faut toujours avoir un plan B de côté. Et on a déjà parlé de ça. C'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mathilde, elle n'est pas là. Déjà, son deuil amène énormément de problèmes. Et franchement, son cas doit interpeller plusieurs personnes. Moi, par exemple, ça m'interpelle. Mais bon, j'ai la chance que moi, si je décède, ma famille sera là. On n'aura pas le temps de cotiser, par exemple. J'ai la chance de ce côté-là, mais ça doit nous interpeller. Parce que de son vivant, elle était entourée. Elle faisait tout le temps la fête avec ses copines. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et c'est dommage. Ça fait énormément de peine. Alors, est-ce que... On dit souvent, même quand ton ennemi est faible, tu baisses la garde. Et encore pire, quand, même si c'est ton ennemi qui décède, on met tous ses rancœurs de côté et on fait en sorte que voilà, que son dernier voyage se porte bien parce que la personne ne peut plus se défendre, la personne ne peut plus parler, la personne, voilà. Mathilde n'est plus là. Moi, je le redis encore, c'était pas ma copine, c'était une grande sœur de cœur. Mais elle était copine avec mon grand frère qui est à Paris. Je me dis, mais oui, si c'est moi qui partais, c'est moi qu'on a parlé de mon corps et mon corps, si je n'ai pas vraiment la famille que j'ai, ça interpelle. Donc ça doit tous nous interpeller. Franchement, aujourd'hui, je vois des gens qui font des commentaires, même là, je lis, c'est pas de moi qu'on parle, on parle de Mathilde. Pas de Michel Essomba. Michel Essomba, elle est là pour un cas. Et le cas, malheureusement, c'est un cas, c'est un voyage non-retour. Voilà, c'est Mathilde pour relever tout ce qui est en train de se passer. Donc, à un moment donné, franchement, ayons de la compassion, ayons le cœur, ça dit voilà, ayons voilà, même de la pitié. Parce que voilà, elle ne mérite pas ça. Aucun être humain qui est décédé mérite être dans un tel tourbillon. C'est un vrai bordel. Et c'est vraiment dommage. Moi, cette situation me peine, ça me fait mal. Parce que de son vivant, on l'envoyait avec des gens. Plusieurs personnes sont parties chez elle dans le sud. Moi, je ne suis jamais allée dans le sud chez elle. Jamais. Mais aujourd'hui, depuis le 13 février, je suis choquée, je me retrouve à passer des nuits blanches parce que je me dis, mais merde, je pouvais être à la place de Mathilde. C'est comme ça que ça laisse passer. Ça pousse à réfléchir. Mettons, à un moment donné, faisons la guerre quand on est vivant. Et encore, la guerre ne nous amène rien. La haine ne nous amène rien. Ça nous retarde. À un moment donné, quand on est dans ce cas-là, s'il vous plaît, baissons les armes et faisons ce qui a lieu de faire. C'est tout. Et n'attendons rien en retour, parce que là, on ne sait pas... voilà, il pleut sur tous les toits. Aujourd'hui, c'est Mathilde. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça va être quelqu'un d'autre. Parce que tout le monde, la majorité, on va dire, oui, mais il faut faire l'assurance. Si on va vraiment contrôler, est-ce que toutes ces personnes ont l'assurance rapatriement? Je ne pense pas. Je pense que ce que tu as dit vraiment tout ce qu'il y a à dire, c'est ce que je te dis tous les jours. On a nos différents
souffrance, on a même des problèmes, mais quand la mort survient, on doit mettre un stop. On doit penser à cette personne, on doit se mettre à la place, parce que de toute façon, nous tous, nous allons finir par la mort. Et quand ça arrive, il faudrait que, quelles que soient nos différences, quelles que soient même nos haines, nos aigreurs, je puis dire, il faudrait qu'on arrête et qu'on essaye de voir que vraiment la situation que vit cette famille, ma famille aussi pourrait la vivre demain et qu'on fasse ce qu'il y a de mieux faire. Donc, je pense que je vois des gens écrire là. Je ne peux pas faire le PayPal si c'est au nom d'Aurore. Je voudrais juste dire à ces personnes que le PayPal, certains écrivent même que Aurore est malhonnête, je ne sais pas pourquoi. Moi, Aurore, je ne la connais pas. Mais je voudrais dire à cette personne, ce n'est pas le PayPal d'Aurore. Vous voyez très bien, il faut savoir faire confiance aux gens. Ça veut dire que le gars qui est venu parler là tout à l'heure, il n'arrive pas encore à se connecter. Je crois qu'il a des problèmes de connexion au Cameroun, son fils. Chartrie, si Chartrie est en contact avec Aurore et que Chartrie accepte que Aurore prenne l'argent de sa maman, si on peut faire quelque chose, qu'on le fasse pour sa maman. On ne le fait pas pour Aurore. Même si cet argent passe par Aurore, on le fait en pensant à la troisième, il y a la troisième dame qui est connectée. Il faut l'envoyer l'invitation, c'est Cristal. Eh bien, qu'elle envoie dans l'invitation, qu'elle voit les deux bonhommes là. Ça tombe bien, elle est là. Ok, ben Cristal, qu'elle envoie l'invitation. Et comme ça, il y a deux bonhommes qui s'affichent à l'écran. Elle peut envoyer l'invitation, comme ça, je la prends. Et comme ça, elle peut nous expliquer. Et donc, je vous disais à vous, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, même quand vous donnez et que quelqu'un vole votre argent, je veux vous dire que la personne qui est maudite, Michel, on ne te voit plus, hein, ton téléphone s'est décalé là. La personne qui vole l'argent d'un mort, vraiment, c'est une malédiction. C'est la pire des malédictions. Et quand vous donnez avec le cœur, ne vous posez pas des questions. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça ne va pas arriver? Tu donnes pour la personne qui est partie et puis tu passes à autre chose. Maintenant, si entre-temps, d'autres personnes détournent cet argent, vraiment, c'est leur malédiction. Donc vraiment, vous qui écrivez là, s'il vous plaît, quel que soit, je ne sais pas, les problèmes que vous aviez eus avec Aurore, on ne le... Vous avez vu, vous avez écouté ce que Michel nous a dit, ce que cette Aurore fait pour Mathilde depuis qu'elle est décédée. Donc ne serait-ce que pour ça, aider son fils qui fait confiance à Aurore. Je n'ai pas besoin vraiment, ce n'est pas nécessaire de faire deux litis pour une même cause, deux PayPal. Et je suis en train de lire les écritures, apparemment on ne signale pas les PayPal comme on signale les litis apparemment. Donc il y a un risque qu'on ne le signale pas. C'est ce qu'on écrit. Donc, je pense que ceux qui ont connu Mathilde, et même, il y a quelqu'un qui a écrit que peut-être que les amis, ça aussi, il faudra le vérifier, Michel, vous qui êtes en contact avec la famille. Malheureusement, Petit est parti, je lui ai reposé la question. Les gens sont en train d'écrire que peut-être les amis de Mathilde, de l'époque d'ici, sont liés avec sa sœur Denise. C'est pour ça que je lui ai demandé. J'ai demandé à ce petit tout à l'heure, est-ce qu'il est en contact avec sa tante? Parce que si les amis de Mathilde ont donné de l'argent là-bas ou alors participent là-bas et qu'elle n'est pas en connexion avec le petit, il faudrait que ses amis changent la façon de voir les choses. Bon, c'est le fils. Le fils est revenu là, je vais le reprendre. Vraiment, si Mathilde... J'appelle encore les amis. Si Mathilde a eu des amis ici en Europe, si ces amis-là ont eu des problèmes avec Aurore Angoula, mettez ces problèmes de côté, pensez à Aurore, pensez à Mathilde et participez dans ce litige, dans ce PayPal où son fils nous a donné son accord. Il est revenu là avec nous. Donc tout à l'heure, on a été coupé, Chartrie. Tu nous expliquais par rapport à ta tante qui est ici, vous n'êtes pas en contact. Je t'ai demandé si elle a reçu de l'argent. Et si jamais on n'arrive pas à rapatrier le corps ici, est-ce qu'elle est
toi, vous avez parlé pour un enterrement là-bas au Cameroun. Est-ce que vous avez échangé? À quel niveau de relation tu as avec ta tante ici? Oui, je lui ai demandé de choisir un autre endroit pour enterrer ma mère, sauf au village. Parce que là où elle a acheté le terrain ici à Ebolova, il y a l'espace. Et elle insiste qu'il faut l'enterrer au village. C'est les gens du village, donc mes oncles qui sont là, qui me font la guerre et tout ça. Donc j'essaie déjà que on aura tout et tout. Et elle m'a même demandé de leur donner même le corps, que je les laisse, ils partent enterrer ma mère, même si je ne pars pas, je reste sur place. Je vois que mais c'est comment ma mère est morte ici devant moi. Comment je vais vous donner le corps de ma mère, vous partez l'enterrer. Moi-même, je n'assiste pas. Vraiment, tu as des problèmes de connexion, Chartry. Hein. C'est un peu compliqué avec le Cameroun aujourd'hui. En tout cas, pour ce, voilà, il est reparti. Je voudrais demander à toutes ces personnes, je me répète encore, on n'est pas ici pour Aurore. Faites-le pour Michel, la personne que tu m'as évoquée tout à l'heure, elle est partie, je ne vois pas son... Elle est au Cameroun, hein, donc connexion du Cameroun. Elle s'appelle... Pourtant, elle comprend elle... là. Elle s'appelle comment encore? Cristal. Bon, il y a une... Cristal et Joa. Elle est là, Cristal et Joa, Bondo. Je ne sais pas si je peux... envoyer l'invitation, mais je ne l'ai pas là. Bon, il y a une bibiche qui s'est connectée là. C'est pour parler de ce même problème. Allô, Pablo. Père Moussang. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Oui. Bon, j'ai beaucoup écouté du début jusqu'à la fin et c'est un problème que je suis depuis que Mathilde est née. Est partie, s'il vous plaît, excusez-moi déjà, mes condoléances à nous tous, parce que nous tous, on est éprouvés par rapport à ça. Elle n'était pas ma copine non plus. C'était une compatriote à moi que je connais comme ça aussi. Et l'histoire me touche beaucoup. Moi, je ne sais pas, ne me jetez pas en brousse. Hein. J'étais tout ce qui sortira de ma bouche par terre, mais ne me jetez pas en brousse. Moi, je propose, est-ce qu'il n'y a pas de cimetière au Cameroun où on peut acheter un cimetière et l'enterrer au Cameroun? Je pense qu'en Volier, à Yaoundé, il y a un cimetière qu'on peut acheter, la place et l'enterrer. À Douala, il y a un cimetière, il y a des cimetières où on peut acheter de la place et l'enterrer. Moi, je ne m'oppose pas à ce que le corps vienne jusqu'en Europe, mais moi, je trouve qu'il y a trop d'argent à demander, à dépenser, à sortir là-dessus. Cet argent peut aider la famille, les enfants qui restent. Moi, c'est ma proposition. Hein. Okay. C'est tout ce que je voulais. Merci. Merci, Bibis. Peut-être que tu as pris le direct en cours. Je voulais déjà signaler que Christelle Abandonouti, elle a écrit qu'elle est à l'hôpital avec sa fille. Elle ne peut pas rentrer dans le direct, Michel. Donc, voilà, c'est la réponse qu'elle a donnée. Bibis, tout à l'heure, il y avait le fils à Tarsi. Je ne sais pas si tu nous as pris dès le début. Il a expliqué qu'il y a beaucoup de problèmes, comment dire, familiaux avec ses tantes, avec ses tontons et ses tatas, et qu'il insiste à rapatrier le corps ici parce qu'il a ses deux petits frères ou petites sœurs ici, je pense. Mm-hmm. Et que ici, vraiment, le corps de sa maman, pour ne pas dire son âme, va vraiment reposer en paix. Parce que lui, il est là-bas, il est seul, il est déjà attaqué par toute la famille, il n'est même pas sûr de pouvoir s'en sortir. Peut-être que même la maison là où il habite, on va le chasser. Donc, il ne voudrait pas que le corps de sa mère se retrouve en train d'être, je ne sais pas, jeté ou je ne sais pas comment. Donc, pour lui, l'assurance serait que sa maman soit enterrée ici où il y a ses autres frères et sœurs. Donc, en fait, c'est là le véritable problème. Maintenant, le problème que tu évoques de payer, parce qu'on le fait aussi au Cameroun, ça veut dire que quand tu n'as pas, tu ne peux pas amener ton corps dans ton village ou l'enterrer chez toi. Il y a encore une autre solution qu'on peut faire. Je ne sais pas là où le gars il habite, si c'est la maison de sa maman. Très souvent aussi, on enterre les corps à domicile. Il faut juste une autorisation.
administration préfectorale, ou, oui, c'est ça, ou alors auprès de la mairie. Tu fais une demande, quand il y a des problèmes, quand tu expliques au maire, il peut te donner une autorisation d'enterrer chez toi. Donc, il y a toutes ces procédures-là. Mais j'ai l'impression que son fils, Bidish, voudrait vraiment qu'on rapatrie, parce que pour lui, sa maman serait en paix en Europe. Ok. Vous comprenez? Oui, j'ai compris. Désolé, alors. Voilà. C'est vraiment ça le véritable problème, non? Ce que tu vas seulement faire comme nous autres, tu as vu le PayPal épinglé là, on va essayer de faire ce qu'on peut. On atteigne, par exemple, là, on est 600 personnes. Si là, maintenant, chacun cotisait 20 euros, 30 euros dans ce PayPal, on aurait réglé ce problème. On serait même plus en train de parler de ça. Je veux dire, là où nous sommes là maintenant, présentement, si les 600 personnes, chacun de nous prend sa carte bancaire, il cotise 20 euros dans ce PayPal. Demain, on ne parle plus de cette histoire, on aura réglé le problème. Et puis, je pense que Aurore Angoula, que vous accusez d'avoir offensé des personnes ici sur Facebook, je pense que peut-être que cette histoire aussi de Mathilde, ça va être une sorte de thérapie pour elle. Elle comprendra que dans la vie, il ne faut pas s'en prendre à des personnes qu'on ne connaît pas gratuitement et qu'aujourd'hui, on se trouve à parler avec ces personnes, on se trouve à cotiser pour une personne qu'on ne connaît pas ensemble. Ça peut être une thérapie pour beaucoup d'autres personnes. Vous savez, quand on est chrétien dans la vie, il y a des situations qu'on vit et qui sont réparatrices, des situations qui sont réparatrices pour la vie de beaucoup de personnes. La cause que Aurore est en train de prendre aujourd'hui, tel que Michel nous a expliqué là, toutes les démarches qu'elle fait, c'est assez positif. Maintenant, si on va comparer ça à tout le mal qu'elle a fait aux gens sur la toile, on va se dire que peut-être qu'elle a changé, peut-être qu'elle est en train de changer, peut-être que cette situation-ci va vraiment, véritablement changer et sa vie et sûrement la vie de d'autres personnes. Donc, il faut arrêter de permettez-moi la tautologie, de s'arrêter sur des jugements de personnes. Tout le monde est failli. On se fait du mal mutuellement, quelquefois sans même comprendre pourquoi, parce qu'on est entraîné par des personnes, parce qu'on est dans un environnement qui nous permet juste de faire du mal. Et puis avec le temps, on se remet en compte, en question, et puis on fait les choses autrement. Donc moi, je pense que si les personnes qui sont là, moi, je vais faire mon travail le mieux possible. À chaque fois que j'aurai un direct, je vais épingler ce PayPal jusqu'à ce qu'on atteigne. J'espère qu'on atteindra le montant et qu'on enverra ça à son fils et puis il fera le nécessaire. Mais j'aurais pu lui demander, parce que j'imagine qu'en ce moment, le corps est à la mort. Comment ça se passe au Cameroun? Parce que ça aussi, c'est des dépenses. La mort que ça coûte au Cameroun. Comment est-ce que ça se passe là-bas? Michel, tu en sais quelque chose? Ben, le corps à la morgue, bon, déjà, l'enterrement était prévu par, comme il le dit, par l'autre clan dans sa sœur samedi dernier. Ça n'a pas eu lieu tout simplement parce que le corps a été scellé. Voilà. Et les frais Attends. De la mort, bah, c'est nous qui allons régler tout simplement. Par exemple, le PayPal, qui est le montant qu'il y a là, pour quand même montrer aux gens, Aurore a participé déjà. Elle avait mis 200 euros, je crois. Et moi, j'ai mis 150. Crystal a mis 200. Donc, faites le compte et voyez combien. Et bon, puis quelques personnes de mon entourage qui envoient le. Bon, Trésor Béa, par exemple, a déjà participé. Le président Mamosa a déjà participé. Mon fils Hervé Tika a déjà participé. Bajolie Ngamba a déjà fait un geste. Donc voilà, mais. Voilà. Les gens sont toujours en train de dire mais est-ce qu'elle n'avait pas d'économie? Mais est-ce que. Patati patata. Mais non, il y a des situations qui arrivent dans la vie que.
Elle partait au Cameroun, elle savait que c'était un aller-retour et pas tout simplement un aller, et puis voilà. Il y a aussi quelqu'un, tu as oublié, qui a écrit la chicotte, la casse, qui dit qu'elle a participé. Et ouais, elle aussi, oui. Voilà, la chicotte, la casse. Chantry, je posais la question à Michel tout à l'heure. Comment, en fait, elle nous a dit que le corps est scellé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que les autorités disent? Scellé jusqu'à quand et pourquoi? Non, le corps a été scellé parce qu'ils voulaient faire, ils avaient prévu faire la levée de corps sans me rendre compte. Et comme ils avaient déjà fait tout un programme de deuil qui devait l'enterrer, je ne connaissais même pas ce sur les réseaux que je me suis rendu compte. Bon, là, j'ai fait déjà une opposition pour que le deuil de ma maman se passe bien. Parce que c'était comme si venir me voler, venir discuter le corps avec moi. Parce que je ne vois pas comment ils ont le droit de venir discuter le corps avec moi s'ils font déjà les levées de corps sans m'informer et tout. Donc, les autorités, ils savent juste que on va continuer de préparer notre deuil, et puis le procureur il a déposé sa signature, donc on pourrait récupérer le corps pour le deuil. Donc en fait, si je comprends bien, si toi tu programmes le deuil, tu auras le corps, quoi. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Ok. Ok, maintenant, on avait été coupé tout à l'heure quand tu parlais de ta tante Denise. Chaque fois que tu parles d'elle, on se coupe, je ne sais pas pourquoi. Mais est-ce que tu n'es vraiment pas du tout en contact? Je veux dire, même les amis de ta maman qui vivent en Nice ou alors qui vivent même en France, personne ne t'a contacté pour une participation du deuil. Peut-être qu'elle participe du côté de ta tante. Oui, tu n'es pas au courant? Oui, ils ont participé. Il y a plein qui ont participé du côté de ma tante. Mais elle m'a fait comprendre qu'elle a reçu juste l'argent de mon petit frère et son ex-mari, c'est tout. Mais elle t'a donné le montant, à peu près? Non, elle ne m'a pas donné le montant. Elle est prête à te donner cet argent? À condition que je m'en vais enterrer maman au village. Je pense que... Je ne pense même pas, parce que je voyais très tard déjà avec mes oncles, donc c'est eux qui devaient faire le deuil. Donc moi, j'étais juste là aussi, comme ça. Donc en fait, la condition que ta tante a donnée, c'est si tu enterres la maman au Cameroun, elle envoie de l'argent. Au village, pas au Cameroun, au village. Au village. Parce que si j'enterre ici à la maison, ça ne va pas donner, ou bien dans une autre ville, c'est beaucoup plus au village. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est aussi un détail qu'on aimerait quand même savoir. Pourquoi tu as peur d'enterrer ta maman au village? Tu as peur pourquoi? Bon, il n'y aura personne qui va s'occuper d'elle et le deuil ne va pas bien se passer. Pourquoi? Parce que c'est ce village-là qui a commencé à m'attaquer le même jour qu'elle est morte. Et donc, je ne sais pas avec qui je vais aller faire le deuil là-bas. Ça sera encore mieux si c'est ici au Cameroun, mieux là où j'habite, là où elle a payé le terrain. Là. Donc, ce n'est que là encore. Parce qu'au village-là, déjà, même de son vivant, il n'y a personne qui a été dans le village. Depuis que ma grand-mère est morte. Parce que mon grand-père est mort avant ma grand-mère. Depuis que ma grand-mère est morte, là, c'est même moi qui allais la dernière fois avec. J'ai pris mes amis. On allait défricher les tombes de mon grand-père, ma grand-mère et mes oncles qui sont là-bas. Parce que ça, c'était abandonné. C'était abandonné par toute la famille. Pendant que. Il vient discuter l'héritage de ma mère ici à Bolova, mais là-bas au village, il n'y avait personne qui s'en occupait. Donc, je suis allé défricher là-bas. Il n'y a personne qui s'en occupe là-bas. Donc, ici, là où je reste là, je pourrais au moins se nettoyer la tombe, mais la propriété, veiller aussi à ce que, parce qu'on est en Afrique, que les gens ne viennent pas faire des choses bizarres. Parce que là-bas au village, je suis ici là. Si quelqu'un n'a pas fait ses pratiques là-bas et tout, je ne vais pas connaître. Parce que je serai ici là. Et okay. De vivant de ma mère, elle-même, elle n'était pas trop
en connexion avec le village. C'est même moi qui part souvent de temps en temps. Ok. Donc, ok. Michel, il y a Annie Mami qui dit aussi qu'elle a cotisé. Je ne sais pas si tu la connais. Annie Mami. Il y a des gens que j'ai cité, les gens que moi, voilà. Personnellement, que voilà. Ok. Mais je voulais dire. Mais il y a toutes les captures d'écran, hein, de toute façon. On est dans la transparence parce que. Voilà. Ok. Lors du prochain direct, on affichera ça ici. Parce voilà. Que je pense qu'on va encore faire un autre direct pour te donner. Je t'enverrai les captures d'écran, oui. Ok. Je voulais demander, Chantry. Oui, papa. Par rapport à l'enterrement, je vais dire, c'est quand même une grosse somme. S'il faut vraiment rapatrier ici, ou alors, comme on a dit tout à l'heure, vraiment la dernière des solutions, enterrer là-bas. Vraiment la dernière des dernières. Mais dans ta tête, dans ton programme, tu prévois ça pour quand, pour combien de temps, je veux dire. Plus ou moins. Vraiment, parce que même s'il faut, à moins que ce soit les 600 personnes qui sont là, cotisent 20 euros chacun, on fait le montant tout de suite. Si tout le monde le fait aujourd'hui, on a fini avec ça. Mais si les gens n'ont pas participé, si on n'a pas les 6 000 euros et que tu envisages tout faire au Cameroun, tu l'envisages pour dans combien de temps? Bon, là, ça va dépendre, mais pour moi, mon souhait, c'est de finir avec le deuil ce mois-ci. Vraiment, c'est ce mois-ci, parce que depuis ma maman, elle est là-bas, la mort, ce n'est pas très bien. Donc, si la famille était en paix, je pense qu'on aurait déjà enterré depuis, mais on n'est pas en paix. Je ne peux pas l'enterrer aussi seul comme ça. Donc, moi, si ce mois-ci, vraiment, je prie beaucoup Dieu. Et je suis vraiment, je vais tout ma vie, Seigneur, j'essaie un peu de finir avec le deuil, si ça elle puisse être ma patrie ou pas, mais je pense que c'est ça aussi que j'aimerais avoir, j'aimerais finir avec, si Dieu le veut bien. Ok. En tout cas, on va faire tout ce qui est en deuil pour moi. Je ne prends pas pour ce deuil. Je ferai tout ce que j'ai à ma possibilité pour que l'enterrement, que ce soit en Europe ici, que ce soit au Cameroun, que ça passe ce mois-ci. On va vraiment faire. Moi, tous les directs que je ferai, j'accrocherai. De toute façon, ce lien va rester accroché sur ma page et même sur mes profils personnels pour que les gens puissent, profiter. Mais tout à l'heure, on parlait des frais de mort que quand tu étais parti. Comment ça se passe à la mort? Je veux dire, si ça va jusqu'à la fin de ce mois, ça veut dire que le fin, à la fin mars, c'est dans deux semaines, les frais de la mort, comment ça se passe là-bas? C'est toi qui s'en occupe? Oui, le jour où elle est entrée à la morgue, j'avais les sous sur moi, parce que c'est moi qui s'occupais d'elle le même jour. Donc, bon, comme on m'a annoncé qu'elle était morte, j'ai juste remis l'argent à mon oncle. C'est lui qui avait enregistré le corps. C'est pour ça qu'ils avaient déjà prévu faire le lever. Et c'est pour ça que j'ai fait une opposition parce que c'était le nom de mon oncle qui était enregistré là-bas comme celui qui a enregistré le corps. Donc, je pense qu'à la morgue, j'ai reçu le carnet. Il y a les frais qui sont écrits, mais on paye tout ça. Ça se paye avant deux jours avant la levée de corps. Donc, deux jours avant la levée de corps, il y a tous les calculs de la morgue, ce qui n'a pas été payé. Qu'il va falloir payer avant de retirer le corps. En dehors de ce que moi j'ai donné, parce que l'argent que j'avais sur moi le jour-là, j'ai tout donné pour qu'ils mettent d'abord le corps à la morgue. Okay. Et c'est là où j'ai même compris que la famille n'était pas sérieuse. Vraiment, pourquoi? Parce que ce jour, il y a eu des injures, il y a eu, mais personne n'a sorti un franc pour la mettre à la morgue, pour payer un comprimé. Même au niveau de transport, c'est moi qui faisais tout. Ok, ok, Chartry. De toute façon, moi, comme j'étais bien, on est de tout cœur avec toi. On va te donner le mot de la fin, on va conclure le direct et puis nous on va s'appeler après. Je vais prendre ton numéro chez Aurore, je vais t'appeler, on va voir comment programmer le prochain direct pour vraiment en parler encore. Mais je veux dire, Michel, qu'est-ce que tu dirais, Michel, on va finir avec toi, Chartry, pour que les gens cotisent davantage d'ici le prochain direct, surtout que les obsèques de cette dame Mathilde qui est partie se passe encore cette fin du mois. On a encore, je vais dire, trois semaines devant nous pour que
Si tu pouvais motiver les gens à cotiser, qu'est-ce que tu dirais pour le mot de la fin par rapport à ce direct? Je dirais juste... Non, je disais à Michel, hein, toi tu parles après, Chartier. Michel. Okay. Bah, moi, j'ai plus rien à rajouter. Hein, donc, c'est à Chartier de conclure tout simplement. Ok. Roxana, on donnera les frais pour le prochain direct. On va tout établir. Bon, Chartier, justement. Attendez, par contre, je tiens à préciser un truc, à éclaircir un truc. Les premiers jours, Chatry était accusé par une consoeur, comme quoi Chatry avait volé les papiers de sa mère avec le billet d'avion, qu'il était parti les revendre. C'est absolument faux. Okay. Ce jour-là, nous étions en ligne avec Chatry. Il était à l'ambassade de France signaler le décès de sa mère. Donc, il n'a jamais volé aucun papier. Il n'a jamais vendu quoi que ce soit. Ça, je tenais à le préciser. Mais c'est bien comme tu l'as évoqué, même on est presque à la fin. Mais Chartry, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant cette histoire? Est-ce que cette dame-là qui a évoqué cette histoire-là, tu la connais? Quel rapport elle avait avec ta maman? Quel rapport elle a avec toi? Et par rapport à quoi ou sur quoi elle s'est basée pour te taxer d'avoir volé ou vendu des... Je ne sais pas. Sur quelle base, sur quel rapport elle s'est basée? Cette dame-là, moi, je ne l'ai jamais connue dans ma vie. Je ne l'ai jamais vue même. Je n'ai jamais causé avec elle. C'est quand ma mère est morte que je trouve sur les réseaux sociaux, elle écrit que ma mère est morte du cancer. Je pense que c'est le lendemain. C'est deux jours. Donc, disons, ma mère est morte le 13 février, le 15. Le 15 février, elle avait déjà mis qu'elle est morte du cancer. Quelques jours après, c'était... Le fils a volé les papiers, il est allé à l'ambassade vendre tout et tout. C'est là où j'ai commencé à me renseigner sur elle. On m'a dit que c'est notre voisine ici à Ebolo. On m'a montré leur maison là, juste à côté de là où j'ai dit. Je suis allé voir son papa. Il a expliqué à son papa. Je lui ai montré le téléphone que voilà ce que ta fille publie et tout et tout. Vraiment, je voudrais qu'on me laisse enterrer ma mère dans la tranquillité, dans la paix. J'ai supplié vraiment son papa. Et le lendemain, la fille a encore commencé à insulter, jusqu'à écrire sur le WhatsApp de ma maman. Elle m'insultait là-bas. Franchement, j'ai fait les captures d'écran, j'étais déjà dépassé. C'est là où je suis allé voir la police judiciaire. On a demandé les captures d'écran, j'ai fait les captures d'écran, j'ai déposé à la PJ et on allait donner la convocation à son papa. Et c'est là où je me rends compte qu'elle était ici et elle connaît ma mère. Peut-être à l'enfance, au cas où je n'étais même pas encore né. Je ne sais pas s'ils ont eu des problèmes à l'enfance, s'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais la façon qu'elle parle de ma maman, je sens qu'elle n'aime pas ma mère. Elle, il y a un problème, elle a son mal. Et moi, je suis resté tranquille. Maintenant, moi, pour ma protection, j'étais obligé d'aller à la police parce qu'elle m'a envoyé le message en me disant qu'elle va envoyer les gens me taper à la maison, on va me faire du mal. Oh, on m'a même appelé au téléphone que si j'ai même mes pieds encore dehors, on va me poignarder. Il y a même eu des gens qui sont venus forcer ma porte ici, là. J'étais là-dedans. Ici, je suis resté juste après. Ils n'ont pas quand même réussi à ouvrir la porte. Après, ils sont rentrés. Donc, je suis allé voir la police, je les ai expliqué tout ça. Ils ont encore des convocations à les donner à son papa parce qu'on leur avait remis juste une convocation. Donc, il y a encore deux convocations parce que la police judiciaire dit s'il réussit à arrêter un maire, monsieur le maire qui refuse la convocation et que le procureur donne l'ordre qu'on aille l'arrêter. Ce n'est pas cette femme-là qu'on ne va pas arrêter. Donc, que je laisse, elle m'insulte. Je viens juste avec le maximum de preuves que je peux avoir. Parce qu'il va falloir que le jour qu'on va la récupérer, il va falloir qu'elle s'exprime aussi, qu'elle montre ses preuves. Et que normalement, si elle avait raison, quand elle reçoit une convocation, elle devait venir au commissariat, se présenter, s'expliquer ce qui ne va pas. Parce qu'elle a tellement saboté le deuil de ma maman, au point où elle a fusionné avec un de mes oncles. Et ils ont fait un post sur Facebook où ils disaient « Ne donnez rien au fils de Mathilde, c'est un toxicomane, c'est son oncle qui gère tout. Voici le numéro de son oncle, c'est lui qui prend l'argent. » Et c'est là-bas que les gens cotisaient chez mon oncle là. Et
Chaque fois, elle a levé même elle a levé plein de posts sur sa page. Moi, j'ai fait les captures d'écran. J'en ai plein de captures d'écran qu'elle a fait ici. Moi, je ne l'ai jamais insultée. Je ne la connais même pas. Je ne l'ai jamais vue quelque part. C'est son papa qui habite à côté de moi. C'est là où on m'a parlé d'elle, que vraiment elle est comme ça. Elle est, bon, sa vie ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de dire ce qu'on m'a dit d'elle. Mais on m'a vraiment parlé d'elle, de tout ce qu'elle fait, de pourquoi elle est ici au Cameroun. On m'a dit plein de choses. Ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas son temps. Que je vais rester là à parler d'elle. C'est elle qui a le temps de ma maman et mon temps. Parce que moi-même, elle m'insulte grave seulement. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Donc, je me rends compte que ma maman. La maman avait beaucoup d'ennemis, c'est ce que je suis en train de voir. Bon, Patrick, tu as répondu, passe au plus important. C'était une parenthèse, passe au plus important. Ok, Chantry, en tout cas, merci. Et puis, je vais te dire, tu as très bien fait. Quand tu as des menaces, tu vas à la police, tu fais ce qu'il y a lieu de faire et puis tu attends quoi. Tu as très bien procédé. Tu ne réponds pas à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu es dans ton deuil, concentre-toi. Dans le deuil de ta maman, c'est le plus important. Le reste, tu peux gérer ça après. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire ici, vraiment, à ces 600 personnes pour t'apporter de l'aide pour essayer de contribuer à ce PayPal qui est accroché là? En attendant le prochain direct, on va faire les comptes très prochainement, peut-être la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour t'aider, pour aider la famille à... Voilà. En fait, ce que je vais dire, c'est moi, je n'ai pas souvent... J'ai grandi en guerrier, donc j'ai toujours appris à me battre de moi-même, pour ceux qui me connaissent, dans mes marches. Je suis un artiste qui fait dans la peinture, donc j'ai toujours vécu de ça, de cette peinture, de ça. Donc, si j'arrive au niveau où je demande de l'aide, vraiment, ça veut dire que je suis coincé, je suis touché. Donc, je ne m'attendais pas. Je savais qu'à ce moment-ci, ma mère devait déjà être en train de travailler. Moi aussi, en train de pousser mes travaux. La mort ne m'a pas donné un préavis pour me dire que c'est en train de venir. Donc, c'est arrivé comme ça peut arriver chez tout le monde, comme ça peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est le chemin de tout le monde. Donc, vraiment, moi, je n'ai pas un problème si ma mère s'est fait enterrer ici au Cameroun. Mon problème, c'est qu'il faut que j'enterre ma mère dans la tranquillité, dans la paix. Et j'ai vraiment besoin que vous m'accompagniez dans cette paix-là. J'ai besoin que vous m'aidez à enterrer ma mère dans cette paix-là, parce que c'est la grâce de Dieu seul qui va vous rembourser, qui va vous aider, parce que on dit Dieu, c'est le Dieu de nous tous. Même dès que tu aides quelqu'un, ce n'est pas forcément moi qui vais vous rembourser ça. Quelque part, que tu peux être coincé, c'est une autre personne qui t'aide. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu as aidé quelqu'un dans la vie. Parce que c'est... Donc, je suis vraiment coincé et j'ai besoin de votre aide pour enterrer ma mère dans la tranquillité, que son dernier hommage se passe en paix, puis que son âme se repose en paix, pas dans les problèmes de bagarre et de ceci et de cela. Vraiment, c'est la paix, c'est l'amour. Si vous pouvez m'accompagner dans cette paix-là, dans cet amour-là, ça, c'est tout ce que je demande. Vraiment, je sais que les temps sont devenus très, très difficiles. Même une personne ne s'en sort pas. Forcément, il faut être même en couple maintenant pour s'en sortir, parce que la vie est devenue très, très difficile maintenant. Moi, quand je vois tout ce qui se passe là, vraiment, je ne sais pas, je ne sais plus où mettre ma tête. Je dors la nuit avec un œil, comme j'ai fait un poste là, parce que j'ai peur qu'on soit venu me tuer pendant mon sommeil. Donc, je n'ai pas la paix et il ne faut pas que je mette aussi ma main dans ces conditions-là. Il faut que je l'enterre dans la paix. C'est vraiment ça. Ok, Chantry. De toute façon, Chantry, moi je vais te dire une chose. Je sais ce que peut perdre un parent, je sais ce que peut perdre une mère, un père, je sais ce que peut perdre un enfant, parce que j'ai perdu déjà un neveu ici. Je sais ce que c'est que cette douleur.
Et quand je vois des femmes ou des hommes s'acharner sur quelqu'un qui a perdu un être, que ce soit son père ou sa mère, c'est démoniaque. Et j'ai toujours de la peine. Je me pose toujours des questions. Qui sont les amis de ce genre de personnes? Parce que je ne peux pas côtoyer ce genre de personnes. Je ne peux pas comprendre une personne qui peut s'acharner sur quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère. Même si vous aviez des histoires, quand on est humain, ça s'arrête d'abord. On laisse la personne faire son deuil. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux, surtout dans ton cas, où ta maman vient te rendre visite et elle ne rentre plus. Et que les gens se permettent quand même de s'acharner sur toi. Même si tu es un voleur, même si tu es un brigand, pour l'instant, c'est toi qui as perdu ta mère et c'est toi qui as mal plus que nous autres. Par exemple, moi, je prends parti. Je ne connais pas ta mère parce que j'ai perdu une mère, je sais ce que c'est. J'ai perdu un père, je sais ce que c'est. Moi, ce n'est pas mon père qui me faisait vivre, ni ma mère. Mais la douleur de savoir qu'on n'a plus de père, c'est très compliqué. Et quand on a des démons comme ça qui se baladent sur la toile, qui se font passer pour des êtres humains, qui s'acharnent sur des personnes qui sont en deuil, j'aimerais vraiment que l'entourage de ces personnes essaye de voir les choses un peu plus claires. Parce que ce n'est plus des êtres humains, mais c'est des démons. Et c'est des personnes, et c'est ce genre de personnes, il faut vraiment les mettre de côté. Ce n'est pas des personnes fréquentables. Le deuil sur la toile. Excuse-moi, après tu vas conclure parce que Chatri a été. Après tu vas conclure, hein, c'est juste que les trucs viennent au fur et à mesure. Chatri a été vraiment sali, insulté gratuitement. On se rend compte quand même que dans tous les papiers administratifs, Chatri est à la procuration. À des procurations. Chatri signe toujours à côté de sa mère. Ça prouve quand même à quel point sa mère lui faisait confiance de son vivant. Les papiers sont là, les signatures sont là, tout est écrit en noir et blanc. Et depuis que sa maman est décédée, depuis le 13 février, Chatri nous a démontré par A plus B qu'il pouvait être responsable quand il voulait. Comme tout enfant, il a été têtu, mais là, comme la réalité l'a rattrapé, il fait la part des choses. Il devient un homme, plus homme qu'avant. Il a des responsabilités. Et là où sa mère est, je parie, je crois, et j'en suis sûre même, que sa mère est fière de lui. Donc, Chatri, ne doute jamais de toi. Peu importe les insultes que tu vas recevoir, parce que tu vas en recevoir. Reste que aie toujours confiance en toi. Ne doute jamais de toi. Ces insultes doivent être ta force. Et tu le fais pour ta maman. Merci, maman. Ok. Bon, courage. Et puis, on va conclure. Voilà. Donc, je voulais dire la douleur d'avoir perdu un parent, vraiment, c'est douloureux, c'est douloureux. C'est un moment très, très douloureux. Et des personnes conscientes, des personnes qui connaissent des valeurs, quels que soient les problèmes, quels que soient les différends qu'on a eus, quand il y a eu mort, on met le stop, on respecte le deuil, on respecte la famille qui est endeuillée, on respecte l'âme de la personne qui est partie et on essaye de l'enterrer en paix. Donc, ces petits démons qui se baladent sur la toile, vraiment, qui font tout et rien, qui ne représentent rien, qui n'apportent rien dans la société, qui sont là pour nuire et qui se font passer pour des êtres humains. Pour moi, c'est des démons. Et je voudrais que, vraiment, les gens de Facebook, je veux dire, les gens qui côtoient ce genre de personnes, essayez de leur dire les choses comme elles sont, essayez de leur dire la vérité, qu'ils sont des démons, qu'on ne se comporte pas comme ça. Et je voudrais lancer un challenge ici de 10 minutes, si c'est possible. Si on me le permet, juste 10 minutes, on en a encore pour 10 minutes, on arrête à 17h, il est 17h15 là, on arrête à tout casser à 17h30. Vraiment, 15 minutes, s'il vous plaît, les 600 personnes qui sont connectées là, on a fait un direct de solidarité, on est là pour aider
un jeune homme, montrez à ce jeune homme, là, présentement, il y a un PayPal qui est ouvert. D'ici 17h30, ne serait-ce qu'une seule personne, ou deux, ou trois, cotise dans ce PayPal et vient nous le montrer aussi, s'il vous plaît. Ça va aider, ça va amener les autres à cotiser, parce que ça, c'est une famille qui a besoin d'aide. Il faudrait que ces démons-là, ces personnes tordues de mauvaise foi qui ont voulu vendre ce jeune homme à la vindicte populaire, quelqu'un qui vient de perdre sa mère, qui ne l'a même pas encore enterré, sa maman est allée juste lui rendre visite, elle est partie, et il y a quand même des personnes qui se lèvent, non seulement pour saboter cette femme qui est partie, mais pour saboter son fils. Je voudrais que les 600 personnes qui sont là motivent ce garçon à avoir encore plus de courage, comme Michel l'a dit tout à l'heure. C'est l'aîné de la famille, donnez-lui du courage, parce que de toute façon, après sa maman, la vie doit continuer. Même quand il a enterré sa maman, la vie va continuer. Il va endurer ça, il va le gérer comme tout le monde le gère. Il y a des enfants encore plus jeunes que lui qui perdent leurs parents, qui gèrent ça. Mais vraiment, pour ceux qui ont des comptes PayPal, s'il vous plaît, on est à 17h15, on va arrêter dans 15 minutes. Vraiment, que quelqu'un vienne ici nous dire « j'ai participé ». Si cette personne peut nous envoyer la preuve et le contrôler tout de suite, vraiment, ça fera une victoire par rapport à toutes ces personnes qui sont en train de diaboliser ce jeune homme, de diaboliser le deuil, de diaboliser cette personne qui est partie. Vraiment, la famille, on a toujours joué dans la solidarité. On a toujours joué dans la solidarité. On peut se détester, on peut avoir des idées qui ne sont pas les mêmes, on peut même se battre, mais quand il y a mort d'homme, on doit s'arrêter et on doit sortir le côté solidarité. Donc, vraiment la famille, en 10 minutes ou en 15 minutes, que quelqu'un se manifeste dans ce PayPal qui est épinglé et qu'il vienne nous dire, j'ai mis, même si c'est 10 euros, même si c'est 20 euros, même si c'est 50 euros, et qu'on ferme le direct avec cette bonne nouvelle. Parce que ce monsieur, ce jeune homme qui est là, a besoin de raccompagner sa maman en paix, a besoin de raccompagner sa maman dans le respect. Et que nous espérons que ce direct-ci va calmer les ardeurs de la famille, donc de ses oncles, de ses tantes. Ils comprendront que tout ce que ce petit veut, c'est enterrer sa maman dans la dignité et qu'on le laisse avec ses frères et sœurs après faire le deuil. Vraiment, cotisez s'il vous plaît, avant la fermeture de ce PayPal, pour qu'on sorte de ce reste que le nom d'une personne. On en a encore pour 10 minutes, la famille, s'il vous plaît. Donc la famille continue. Voilà, on a des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles. La technique est en train de noter. On a les bonnes nouvelles. Il y a... Voilà. Il y a une bonne nouvelle. Depuis les États-Unis d'Amérique, il y a Atina Bessomont qui a cotisé 20 dollars dans le Liti, dans le PayPal tout à l'heure. Atina Bessomont qui a mis 20 dollars. Vraiment, merci Atina Bessomont. Ajoutez, s'il vous plaît, on a encore 10 minutes. Voilà, chers, je te dis merci Atina. Que quelqu'un d'autre fasse comme Atina. Avant la fin, on en a encore pour 10 minutes. 2, 3, 4 personnes cotisent. Ils envoient de l'argent parce que nous voulons enterrer cette femme dans la dignité. Nous voulons apaiser le cœur de la famille. Nous voulons apaiser le cœur de son fils aîné et de tous ses frères et de ses sœurs qui sont ici. Donc, vraiment, la famille,
manifestez-vous, s'il vous plaît. Merci encore à Tina Bessonon. J'espère que d'ici la fin de ce direct, quelqu'un d'autre va envoyer, ne serait-ce que 20, 30, 40 dollars. Donc, faites travailler vos cartes, s'il vous plaît. Gisèle, tu as écrit que c'est vrai. Écris le montant, s'il te plaît. On a besoin de donner vos noms ici. La technique, notez-moi, Bessonon, Atina, qui a donné 20 dollars. Il y a aussi Gisèle qui vient de se prononcer, mais elle n'a pas donné le montant. Donne-nous le montant ici en direct, comme ça on va le noter. En attendant, je donne la parole à quelqu'un qui vient de rentrer là. Bonsoir, madame, monsieur. Allô? Marc Tefaïs, oui. Bonsoir, Marc. Oui, bonsoir. Oui, j'ai suivi votre direct là, je suis Salah. Moi, je suis à Lourdes. Je voulais savoir, est-ce que on peut lui remettre quelque chose au pays directement? Tout à fait. On peut lui remettre quelque chose au pays. Il n'y a pas de souci. Mais je voudrais annoncer encore une bonne nouvelle, juste avant de fermer. Michel Ngonon, qui vient de participer 100 euros dans la cagnotte, dans le PayPal, c'est Michel Essomba. Attendez. Non. Justement, Michel Ngonon, qui vient de participer, pas Michel Essomba, Michel Ngonon, qui vient de mettre dans le PayPal 100 euros. La technique, s'il vous plaît, notez. Ça fait déjà deux personnes qui ont participé. Ça fait 120 euros qui sont déjà rentrés là tout de suite. Donc, ma soeur qui est connectée là, qu'est-ce que vous disiez? Vous vouliez contacter le jeune homme directement? Oui, je disais, pas moi. Moi, comme je vous ai dit, je suis à Lourdes. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne son numéro de téléphone? Nous, je peux demander aux gens du pays de participer à mon nom. Ok, mais comment est-ce qu'on peut te contacter, toi? Je ne sais pas. Est-ce que je peux donner mon numéro, là? Après. Donne-moi ton numéro en direct, là. Je te rappelle tout de suite après le direct. Vas-y. Attendez, ne quittez pas. Mais appelez-moi plutôt sur WhatsApp. Ok, donnez-moi ton numéro WhatsApp. Je vous appelle dessus. Oui. Allez, c'est FaceSmart. Vous écrivez juste FaceSmart, vous allez me retrouver. Non. Il faut donner le numéro de WhatsApp. On ne retrouve pas comme ça. Il faut retrouver avec le numéro. 06. Oui, allez-y. C'est pour une bonne chose. Ne vous en faites pas. On ne va pas vous déranger en appelant en vos numéros. Si vous ne connaissez pas plein de gens, vous ne décrochez pas. On est là pour une bonne cause. Donc, excusez de donner votre numéro en direct. Allez-y, 06. Oui, c'est comme j'ai dit, 06 43. Oui. 79. Oui. 40 98. OK. Ça me fait tellement, j'ai suivi l'histoire et ça me fait tellement mal parce que vraiment. J'ai retrouvé votre contact, c'est Marthe Faze, hein, c'est ça, non? Voilà. J'ai retrouvé le contact. Donc, mais est-ce que pour la transparence, Marthe, parce qu'on va fermer dans 5 minutes, est-ce que tu peux nous dire ici en direct combien tu vas cotiser au Cameroun pour qu'il le sache là directement? Et comme ça, quand je t'appelle tout à l'heure, je te mettrai en contact avec lui directement. Juste pour motiver les gens à cotiser, parce que nous sommes en plein direct, on voudrait cotiser pour ce jeune homme. Il y a déjà mon nom, Michel, qui a cotisé 100 euros. Il y a Anita Bessonon qui a cotisé 20 euros. 20 dollars. Je vais envoyer 50 euros. Ça fait 32 000. Voilà. Ça casse la chicotte qui vient encore de cotiser dans le PayPal tout à l'heure 50 euros, 30 euros, pardon. Merci à Casse la chicotte. Et Masterfait, tu vas cotiser 50. Master va cotiser 50 euros. Merci beaucoup, Marc. De toute façon, je
Je t'envoie un message tout à l'heure après le direct. Comme ça, on te mettra directement en contact avec Chartry. Comme ça, la personne au Cameroun pourra directement contacter Chartry. Merci à toi, Mark Friend. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci, merci beaucoup, Mark. Et puis, comme tu es à Lourdes, prie beaucoup pour Chartry qui est là-bas. Prie pour le repos de son âme. Et prie pour nous aussi qui prenons la parole ici pour défendre la cause. Ne vous inquiétez pas, moi je vous suis, hein. Je vous suis depuis. Merci. Je vous suis depuis les jeux, la famille jumelle. Je vous suis beaucoup. Merci beaucoup. Depuis, voilà, depuis. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. N'oubliez jamais de nous mettre dans vos prières. C'est très important. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait 18 ans, je suis à Lourdes dans le. Je vous suis depuis. Merci beaucoup, madame. Je vous suis depuis. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne prière à l'autre. Merci. 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 Merci beaucoup, madame. Merci. Voilà. Il y a encore Cynthia Kirou qui vient de cotiser 30 euros. Je vais reprendre Michel qui revient. Donc, la technique, notez-moi le montant parce qu'avant de fermer le direct, on va faire le montant de total qui est rentré tout à l'heure. Il y a Cynthia Kirou qui vient de cotiser 30 euros. Merci beaucoup, Cynthia. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mathis aussi. Faith qui est là. Voilà, la technique, notez s'il vous plaît. On va faire le calcul tout à l'heure. Il y a Michel Mbango qui vient de cotiser 30 euros là à l'instant dans le PayPal, donc c'est en train de bouger. Vous voyez les armes de bonne volonté. On est en train de montrer à ces personnes qui ont voulu se diaboliser qu'il y a des bonnes personnes, qu'il y a des personnes de bonne moralité ici sur la toile. On n'est pas toujours là pour se crever les chignons. Quand il y a mort d'homme, quand il y a deuil, on doit se mobiliser, on doit arrêter. Ok, il y a quelqu'un là-bas au Cameroun qui s'appelle Ozzy qui va envoyer 500 francs CFA. Merci à toi. On va faire le montant tout à l'heure avant de partir. Et puis, on va faire les comptes. Comme ça, Michel et puis Aurore vont contrôler leur PayPal de l'autre côté. Et elles pourront voir si ces montants qu'on a donnés ici ce soir sont effectivement rentrés dans le PayPal. Donc, vraiment, la famille, il faudrait comprendre qu'il n'y a rien de plus important que cotiser pour quelqu'un. Moi, je l'ai toujours dit sur la toile. Quand vous donnez sans connaître la personne, vous recevez. C'est-à-dire, un bien n'est jamais perdu. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que nous autres, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous faisons, nous sommes toujours en train de faire les dons. Il ne faut jamais passer une année sans faire un don. C'est très important de donner à des personnes qu'on ne connaît pas. Et encore à des personnes qui sont en souffrance. C'est une bénédiction. Peut-être qu'on n'a pas tout de suite cette bénédiction qu'on pense, mais on peut l'avoir à travers ses enfants, on peut l'avoir à travers un membre de famille et même par soi-même. Quand vous avez des problèmes, des personnes à problème autour de vous, sachez donner. Sachez donner. Donc, qu'est-ce que la technique? Il y a quelqu'un d'autre qui a cotisé? Ok. Tout à fait. Donc, voilà. On a Michel Gonan qui a cotisé 100 euros. Il y a Cynthia. En tout cas, on fait le total tout à l'heure. Et on vous le donne ici en direct. Mais je peux te dire que, vraiment, Chartry, je peux te rassurer que tu vas enterrer ta maman. Cette douleur d'avoir perdu la maman, on ne peut pas te l'enlever. Tu vas la gérer. Mais nous autres, nous allons t'aider avec les prières à distance. C'est tout ce qu'on peut faire. Et ceux qui peuvent participer, vraiment de façon directe, moi, je le ferai. Mais là, je n'ai pas de PayPal. Je l'aurais fait ce soir. Mais je n'ai pas de PayPal. Mais une chose est sûre. Sur le prochain direct, j'enverrai ma participation et j'espère que beaucoup de personnes d'ici là vont participer. Tout ce que tu as comme problème autour de toi, même avec tes oncles, tes tantes et tout ça, reste respectueux. Moi, je ne te connais pas comme j'étais aperçu là aujourd'hui.
tu parles avec beaucoup de respect, même pour des personnes que tu ne connais pas. Reste comme ça. Concentre-toi sur le deuil de ta maman. Enterre ta maman. Et puis, comme j'ai dit, le reste de problèmes, tu les gères après. Ce n'est pas important. Tu as déjà une souffrance à gérer. Et que Saint-Michel, excusez-moi, et que Saint-Michel, Saint-Michel vous apporte, vous soit à côté. Benoît, Michel, Bernadette, qui soit avec voilà. vous. Et tout va bien se passer. Voilà. C'est vrai que c'est vrai, ça c'est important. Il y a des gens qui demandent ton numéro orange depuis le Cameroun. Chantry, comme on est à la fin du direct, je ne sais pas si tu as un numéro orange au Cameroun. Il y a des gens depuis le Cameroun qui veulent participer. Ça leur facilite de le faire. Tu as un orange, orange mono au Cameroun? Oui, j'ai un orange mono. Ok. D'ici le prochain direct, parce que là, on est presque à la fin, on a déjà accroché le Liti, parce qu'il y a deux ou trois personnes qui ont écrit qu'ils voudraient bien participer par Orange Money. D'autres me parlent de Tap Tap Cent. Il n'y a pas, c'est pas, c'est le PayPal qui est ici, il n'y a pas de Tap Tap Cent ici. Voilà, il y a l'étoile cribienne qui vient d'envoyer 50 euros dans le PayPal, l'étoile cribienne qui vient juste de participer. 50 euros dans le PayPal. Donc, vraiment, merci l'étoile cribienne. Merci à tous ces hommes de bonne volonté qui te sont manifestés ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et toutes ces personnes qui vont se manifester, Charlie et moi, on va parler, on va causer pour un prochain direct. Mais sinon, que le compte PayPal va rester accroché sur la page du couple Messant. Et puis, comme ça, ceux qui n'ont pas cotisé aujourd'hui pourront le faire. Donnez-moi juste 5 minutes. Je fais les calculs de ce qu'on a cotisé ce soir et on va se séparer sur une note très, très positive en motivant les autres de venir cotiser pour les jours très, très, très prochains. Donc, donnez-moi 2 minutes. Je reviens à vous. Le temps de faire les calculs. OK. Bon. Chantry, il y a quelqu'un qui veut cotiser tout de suite. Orange Money, est-ce que tu peux donner ton numéro là? On va l'épingler. Oui, c'est plus 237-690-21. Attends, je vais le noter. Attends, allons-y doucement. 690. 690. C'est ça. Oui. 21. Ceux qui veulent Orange Money, retenez le numéro. Il y a déjà le site, le PayPal qui est accroché. On ne peut pas accrocher deux trucs en même temps. Donc, notez le numéro. Plus 237-690-21-8718. C'est ça, Chantry? C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ceux qui voudraient continuer pour Orange Money, plus 237-690-21-87-18. Donc voilà, allez-y, s'il vous plaît. Je crois qu'il y en a. Ceux qui sont là sur la toile, les amis, comme vous savez le faire, réécrivez-moi ce numéro, vraiment que ça roule sur la ligne de l'affiche sur les messages. Plus 237-690-21-87-18. Comme ça, vous allez directement envoyer de l'argent à Chantry. Mais sinon, on reste sur le PayPal qui est épinglé ici. Il n'y a pas de TapTapSend, à moins que ceux qui veulent le TapTapSend, ceux qui veulent faire le TapTapSend, s'il vous plaît, ça c'est aussi une bonne nouvelle, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, vous avez le numéro de Chantry.
qui est le plus 237 690 21 87 18. Donc ceux qui peuvent procéder autrement que par ce PayPal, appelez Charty à ce numéro, vous le contactez et vous lui faites soit le tap tap send, il vous donne ses coordonnées, soit Orange Money. C'est aussi facile comme ça, justement. Comme ça, la prochaine fois, vous qui avez entre-temps, parce que le prochain direct sera pour le week-end prochain, je ne sais pas quand, samedi ou dimanche, on va s'organiser, mais vous qui cotisez tout au long de cette semaine, gardez vos preuves. Vous qui envoyez directement de l'argent à Charty, ceux-là qui envoient sur le PayPal, on peut le vérifier facilement, mais ceux qui envoient par Orange Money ou par TapTapSend, je ne sais pas quoi, prenez son numéro. Au prochain direct, le samedi ou dimanche prochain, on va se parler encore ici. Je le redonne encore une fois de plus. Plus 237 690 21 87 18. Ça, c'est le numéro de Charty. Donc, nous allons bientôt couper. Vous me donnez 5 minutes, le temps de faire les comptes. Je vous donne les comptes de ce qui est rentré ce soir. Et comme ça, on va se prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. 2 minutes, s'il vous plaît. On est en train de travailler à la technique, c'est pas évident. Vous savez, les gens sont allés très vite, mais il y a eu une chaîne de solidarité ce soir. Je suis content. Ça montre que vraiment, on peut se détester, on peut ne pas partager les mêmes avis, mais vraiment, ceux-là qui ont cotisé de façon ponctuelle ce soir, vraiment, merci à vous. La technique est en train de faire les comptes, c'est pas évident. Qu'on donne ici le montant. Michel, comme je l'ai dit, et Aurore ont contrôlé ça de l'autre côté du PayPal. Et ceux-là, ou celles qui ont fait Orange Money, Chartry lui-même aura tout de suite la réponse, je crois, tout de suite. Il y a Francine qui demande le nom complet. Francine, il faut faire le plus 237 690 21 87 18. C'est le numéro de Chartry. Je crois que ce numéro fait aussi WhatsApp, non? Oui, c'est ça. Donc, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez tout de suite le contacter. Il vous envoie son nom complet et vous faites le Orange Money. Non, le numéro ne fait pas WhatsApp. Ah, celui-là ne fait pas WhatsApp.
Non, c'est... Ok, ben, de toute façon, si quelqu'un veut faire Orange Money, je crois que quand tu tapes le numéro, quand tu envoies l'argent, le numéro sort, je pense. Hein. Avec le nom. Le nom voilà. 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 Donc, merci. Merci, Congossa Pimancho. Plus 237, 690. 21 87 18. Ça, c'est le numéro Orange Money de Chartry. Mais sinon, il y a le PayPal qui est, comment dire, qui est épinglé. Vous envoyez par PayPal. Mais sinon, tous ceux-là qui voudraient contacter Patrick Chartry, ceux-là qui n'ont pas son numéro, vous pouvez passer par le numéro du couple Messan. Nous allons passer la nouvelle. Et comme ça, Chartry vous donnera ses coordonnées. Donc, on est en train de faire les comptes. Je vais prendre les comptes pour vous les donner. Voilà, famille, vous allez m'excuser, ça a été fait à la hâte. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a contribué en peu temps? Non. Donc, on va conclure le live avec le montant final. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vérifié vite fait? Non, il n'y a personne. Je ne sais pas ce qui c'est. Voilà. Voilà, là, c'est Michel et Somba qui nous revient. On va conclure. Donc, j'ai appris ce soir, la chaîne de solidarité a parlé. Les cœurs ont parlé. La glutabosse Amélie Nang, qui vient de contribuer dans le PayPal, 50 euros. Le message vient d'arriver là. Donc, faut que je fasse vite les calculs là. Voilà. Ce soir, les âmes de bonne volonté ont parlé. Ça va continuer à parler sûrement après ce direct, pour ceux qui prennent le direct en cours. Ce soir, Ostine, tu vas regarder ton Orange Money qui a envoyé 500 francs, c'est pas, elle a dit. Ostine qui a envoyé. Il y a Mireille Mbango qui a envoyé 30 euros. Cynthia, par PayPal, hein, qui a envoyé 30 euros.
Classe la chicane qui a envoyé 30 euros. Michel Gonon qui a envoyé 100 euros. Cynthia Guérou qui a envoyé 30 euros. L'étoile crébienne, justement, qui a envoyé 50 euros. Moulema qui t'a fait un transfert orange de 2000 francs CFA. Et qui a, justement, à l'instant, la Greta Boss qui vient de cotiser dans le PayPal 50 euros. Donc ce soir, à moins que je me trompe, non, il y a 30 $. J'oublie le nom, vraiment, excuse-moi, elle est là. On n'a pas pu noter son nom tout à l'heure, mais quand on revoit le récapitulatif dans le direct, elle était l'une des premières à écrire, qui a cotisé 30 $ dans le PayPal. Donc, ce soir. Voilà. Donc, ce soir, dans ce PayPal, on a cotisé 270 euros. Plus 20 $, c'est 20 $, c'est ça, plus 20 $. Donc, dans ce PayPal ce soir, 270 euros plus 20 $ sont rentrés. Et dans ton téléphone, tu as eu 500 francs CFA plus 2000 francs CFA. Et tu peux être sûr que ça va continuer. On va cotiser, les gens vont cotiser davantage. Les gens vont cotiser davantage parce que sur la toile, nous avons... Jean, tu as fait quel montant justement? On n'a pas vu ta cotisation, Jean. Tu peux nous rappeler là tout de suite avant qu'on le ferme. Donc, on va juste le rajouter là. Donc, si Jean a cotisé 30, ça veut dire qu'on ajoute les 30 sur les 260 euros. Ça veut dire que ce soir, on a cotisé 30 euros. Jean, mets ton montant là, s'il te plaît. Envoie-nous vite ton montant parce qu'on va partir, s'il vous plaît. On va. Attends, il y a 50 euros PayPal là, c'est qui? C'est Jean qui vient d'écrire là. Non. Jean. Ah oui, Jean Loft. Voilà. Donc, Jean Loft a envoyé 50 euros. Ça veut dire qu'on est à 270 euros. 70 euros, on ajoute 50 euros, ça fait 13, 3, oui. €350, 370 euros, 370 euros. Donc, c'est ça. Hein? Donc, il y a... Oh là là. Alors, ce soir, malheureusement, Chartier est parti. On a cotisé en 10 minutes, ou alors en tout cas, en 15 minutes, on a cotisé 470 euros. À moins que je me trompe, ça continue à tomber là, mais je dois le direct là. Voilà. On était à 370 euros. Il y a 30 euros qui viennent encore de tomber. 20 euros, ça veut dire qu'on est à 400 euros déjà là. Il y a Pénélope qui a envoyé 2500. Donne-moi le nom de 20 euros là, s'il te plaît. Tout est grâce. Tout est grâce qui vient de cotiser 20 euros. Il y a Pénélope qui dit. 2500 francs. Chanty est parti, mais j'espère qu'il est en train de vérifier sur son PayPal, sur son Orange. Qui c'est qui a envoyé 2500? Pénélope a envoyé 2500 dans ton compte Orange, Chartier, qui est parti, qui n'est plus avec nous là. Donc, vraiment, la chaîne de solidarité, ce soir, vraiment, je ne sais comment vous remercier. C'est-à-dire, vous êtes juste, vraiment, je ne sais pas comment dire ça. Ce soir, cet après-midi, vous nous avez encore montré que... Je ne sais pas si je dois rester pour la cotisation, parce que c'est important. Nous sommes là, pour ça. J'ai envie de couper, mais je vois les gens en train de cotiser. J'ai vraiment la peine à couper, parce que
C'est l'argent qu'on est venu chercher ici pour enterrer Mathilde. Donc, si l'argent peut entrer, ben, je vous donne encore 10 minutes de mon temps ou 20 minutes. S'il y a des gens qui sont en train de cotiser, franchement, moi-même, j'ai du mal à partir parce que sinon, j'ai fait ce direct pour qu'on cotise. Et de façon spontanée, les gens réagissent. Ce soir, on a environ dans les 500 euros. Juste en un direct improvisé, des hommes de bonne volonté sont en train de se manifester et on est à bientôt 500 euros. Donc vraiment, pour les 500 personnes qui sont là, arrondissons le montant à 500 euros ce soir, à 500 ou à 1000 euros, mais faisons un chiffre rond. Nous sommes actuellement à 470 euros la famille. Arrondissons le montant et comme ça, c'est 1000 euros. Et comme ça, nous allons nous séparer dans de bonnes conditions et nous allons montrer à toutes ces personnes de mauvaise volonté, ces personnes que j'ai toujours appelées des personnes tordues de la toile, qui ne voudraient pas du progrès de l'être camerounais, qui ont enterré ce qu'on appelle l'amour du prochain, qui ont enterré ce qu'on appelle l'esprit de solidarité. Et pourtant, l'être camerounais est né fondamentalement solidaire. L'être camerounais est né fondamentalement aimable. L'être camerounais est né fondamentalement dans le vivre ensemble. Nous sommes nés comme ça. Nous avons trouvé nos parents dans cela. Et je ne comprends pas pourquoi, une fois que nous sommes arrivés en Europe, les gens ont porté des robes de la haine, les robes de la séparation, les robes même de la distraction, juste pour disperser les gens qui ont vécu dans l'amour depuis le bas âge. Donc vraiment la famille, arrondissons ce chiffre, rentrez dans le PayPal qui est là, cotisez, et comme ça, on va bien se moquer de ces personnes qui croient que en ventilant la haine, ça donne quelque chose. Non, la haine détruit, la haine ne donne rien du tout. La haine détruit. Ce soir, nous sommes en train de démontrer que la haine détruit. Ce soir, nous sommes en train de démontrer que la haine détruit. Donc, voilà, Michel Sessomba vient encore d'envoyer 100 euros. Nous sommes à 570 euros ce soir. On n'a pas fini. Cotisez la famille. Nous sommes là pour ça. Vous m'avez dit de rester encore. Je suis en train de... La joie est en train de me faire perdre la voix comme ma petite sœur l'étoile qui vient a l'habitude de perdre la voix. Donc, permettez-moi de boire un verre d'eau parce que je sens que ma voix est en train de partir là. Mais vraiment, Michel, merci pour tes 100 euros. On vient de le voir. Vraiment, la solidarité a parlé ce soir. Et c'est comme ça que j'aimerais que dans nos lives, dans notre vie de tous les jours, on ne peut pas s'aimer tous les jours. On ne peut pas avoir les mêmes amis. On ne peut pas partager les mêmes délits. Mais quand il y a mort d'homme, on met le stop et on fait ce qu'on a lieu de faire. Parce que cette route-là, nous allons tous l'emprunter à un moment ou à un autre. Donc, je vais boire un verre d'eau. Le temps que je finisse mon verre d'eau, j'aimerais qu'on avance. On est à 570 euros. J'aimerais qu'on finisse ce soir avec un chiffre. Qu'on finisse au moins avec 1000 euros. Vous m'avez dit d'attendre. J'ai rendez-vous avec les femmes tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Les femmes comprendront que je suis dans une histoire de solidarité. Je suis là pour apporter de l'aide à quelqu'un. Elles comprendront mon retard. Permettez-moi de boire un verre d'eau. Cotisez. Ce soir, nous allons faire un chiffre rond. Merci à tous ceux-là qui ont cotisé encore. Nous sommes à 570 euros ce soir. Je bois un verre d'eau et je vous reviens. Parti
Quand Michel et Zumba ajoutaient 100 euros, je lui ajoute 50 euros. Où sont les âmes de bonne volonté? Bravo, Michel! Où sont les âmes de bonne volonté? Nous sommes à 570 euros ce soir. Où sont les âmes de bonne volonté? Michel Bonnard, ajoutez 50. Où sont les âmes de bonne volonté? Je vous envoie encore une nouvelle positive ce soir. Je vous envoie encore une nouvelle politique. Michel Ngonon vient d'ajouter 50 euros. Ça veut dire que 470 euros, 570 euros, on va calculer vite fait, 50 euros. Donc, nous sommes à 630 euros ce soir. Chartri qui est revenu, mais on n'a pas sa photo, on n'a pas l'image, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il est très mal, il n'a pas appuyé là où il fallait en entrant, parce que là on n'a pas la photo, on a juste l'image. Chartri, est-ce que tu peux sortir et revenir, parce qu'on aimerait quand même avoir... Voilà, je crois que tu as appuyé sur le mauvais bouton. Donc, merci beaucoup, merci Bonhomme, merci, merci beaucoup. Merci. Ce soir, les âmes de bonne volonté ont parlé. Ce soir, les âmes de bonne volonté ont parlé. En un direct, est-ce que vous pouvez donc me faire plaisir? Parce que je vais perdre ma voix. Mais j'accepte de la perdre. Est-ce qu'on va aller à 1000 euros ce soir? Est-ce que ce soir, on va casser la baraque? Est-ce que ce soir-ci, vous allez faire plaisir? Non seulement au couple, mais sans que vous aimez bien. Mais à ce gars qui a perdu sa maman, à ce gars qui est en pleurs, à cette famille qui veut enterrer ce jeune homme avant même qu'il n'enterre sa mère, pendant qu'il est en train de pleurer sa maman, il y en a qui lui promettent déjà la mort. Est-ce qu'on ne peut pas lui apporter de l'aide? Est-ce qu'on ne peut pas montrer à ce petit qu'il n'est pas seul? Nous n'avons pas été l'ami, nous n'avons même pas été proches de sa maman, mais cette cause nous a touchés. Est-ce que ce soir, on peut montrer à ces gens qu'il y a des hommes de bonne volonté sur la toile? Nous sommes à 630 euros. Arrondissons ce chiffre à 1000 euros ce soir. 660 euros maintenant. Voilà, il y a Grâce et Bénin qui, à l'instant, envoie 30 euros sur le PayPal. Donc, nous sommes à 660 euros. 660 euros. Nous sommes à quelques euros de 1000 euros ce soir. Montrez au diable que sur Facebook, il y a des âmes de bonne volonté. Montrez, s'il vous plaît. Sortez vos cartes. Sortez vos cartes, vous qui avez des comptes PayPal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous presse ce soir qu'on fasse un chiffre rond. On a commencé par 30 dollars, parce qu'il faut toujours reconnaître la personne qui a donné le premier centime. Elle vient des États-Unis, elle a cotisé 30 dollars. Elle a commencé pardon, par 20 dollars. Nous sommes déjà à 660 euros. C'est elle qui a ouvert ce PayPal. Vraiment, s'il vous plaît, la famille, nous sommes encore environ 500 personnes ici. Allons-y à 1000 euros, s'il vous plaît. Faisons un chiffre rond. Faisons ce soir un chiffre rond. Où sont les amis du couple Messin? Où sont les PTT? Où sont les justiciers? Faites travailler vos cartes. Qu'est-ce que la technique me dit? Gisèle Bouleux vient de participer dans le PayPal 20 euros. Gisèle Bouleux. Donc on ajoute 20 euros. Sur les 620 euros, donc nous sommes, oh là là, on arrive bientôt. Nous sommes à 680 euros. S'il vous plaît, faites travailler vos cartes ce soir. S'il vous plaît, la famille. S'il vous plaît, la famille. On est encore là pour un moment. Il est 18 heures. Les femmes vont comprendre que je suis en train de faire un travail, un service de bonne volonté. Il n'y a pas de souci, elles comprendront mon retard. Je voudrais qu'on finisse avec un chiffre rond ce soir, s'il vous plaît. Appelez les PTT, ceux qui sont encore connectés ici ce soir.
Appelez-moi les PTT, s'il vous plaît. Que les PTT viennent participer ici ce soir. Que les PTT viennent participer. Que les justiciers viennent participer. Nous sommes à 680 euros. Nous voulons aller à 1000 euros ce soir, s'il vous plaît. Nous voulons aller à 1000 euros, s'il vous plaît. Sortez vos cartes, s'il vous plaît. Ne me faites pas honte. Mais je ne dirai même pas que vous m'avez fait honte. Parce qu'en indirect, si on est allé à 680 euros, franchement, je suis hyper content. Je suis même satisfait. Je pense que ça fait partie des meilleurs directs que j'ai fait de ma vie. Si je mets de côté les directs de Charles Sidi, où j'en ai fait pareil, mais je vais dire aujourd'hui, un direct improvisé comme celui-ci, et les hommes de bonne volonté se manifestent, sortez vos cartes, s'il vous plaît, appelez les voisins, pipez les PTT, nous allons faire un chiffre rond ce soir. Nous allons faire un chiffre rond ce soir. Je regarde encore du côté de la technique, je vous reviens dans 2 minutes. Participez, s'il vous plaît. Nous devons faire un chiffre rond. Je m'excuse encore auprès des dames que je dois recevoir tout à l'heure. Je m'excuse auprès de l'étoile tribienne. Je m'excuse auprès de Tata Doudou. Je m'excuse auprès de la PDG canadienne. Je suis sûr que vous êtes connectés dans ce direct et vous êtes en train de voir le travail qui est en train d'être fait. Donc, je vous reviens tout à l'heure dans une dizaine ou quinzaine de minutes. Je voudrais ce soir battre le record pour cette femme-là, pour montrer à Martine, à Mathilde Grun, de là où elle est, qu'elle a laissé des amis, des gens qui ne la connaissent pas, mais qu'il y a des gens qui compatissent à la douleur de sa famille, et il y a des gens qui sont en train de faire les gestes ce soir. Donc, la famille, nous allons faire un chiffre rond. Je contacte la technique, je vous reviens dans 2 minutes. Allons-y, nous sommes à 680 euros. Allons à 1000 euros ce soir, s'il vous plaît. Ne me décevez pas. On est ensemble. Bravo la famille, bravo, bravo, bravo les mamans, bravo, bravo. On continue. Partagez la famille. Il y a des bonnes nouvelles. Ce soir, nous allons battre tous les records. Ce soir, nous allons battre tous les records. Il y a quelqu'un qui a écrit transfert de... La technique, faut lire, là, s'il te plaît. De Milan. Oh, Marianne de Milan. Ça, c'est une petite sœur. Il faut lire la technique. Marianne de Milan a fait un transfert. Marianne de Milan a fait un transfert. 2500. Marianne de Milan a fait un transfert. Elle a envoyé ici. Merci, ma petite sœur Marianne de Milan. Bisous là-bas. Toi-même, tu sais ce que je sais. Marianne de Milan a envoyé un orange monnaie de 22 500 francs.
22 500 francs. Donc, le montant net, c'est 22 612. Mariam de Milan a offert un Orange Money tout de suite de 22 600 francs. Merci, mon Mariam de Milan. Ce soir, nous allons montrer notre côté solidarité. Ce soir, le cœur va parler. Ce soir, le cœur va parler. Nous allons montrer à ceux-là, aux écrits, à ceux-là qui ne font que tisser de la haine, qui ne voudraient pas voir leur frère, je vais dire. Nous sommes tous partis de là-bas pour chercher. Et quand on arrive ici, quand on peut avoir un peu, il faut savoir partager. Merci à toutes ces personnes qui se sont manifestées ce soir. Nous sommes à 680 euros. Mariam de Milan a envoyé un Orange Money de 22 600 et Mariam de Milan nous ajoute encore 50 euros sur les 680 euros. Je vais vite noter. On va y arriver. On va y arriver ce soir. Mariam de Milan, il y a un 30 euros qu'on vient d'envoyer dans la technique. Si. Moi, j'ai envoyé 30 euros. Il faut que... Tout à fait, on a parlé d'elle, non? Voilà, il y a Anne. Voilà. Attends. Il faut que je note ça. Il y a Anne Avogadro qui vient d'envoyer 30 euros. Il y a Myriam de Milan Mariam qui ajoute 50 euros. Voilà. Donc, on était à 680 euros. On va vite faire les comptes. Nous sommes actuellement à 760 euros. Nous sommes à quelques euros de 1000 euros. Dans la famille, ne nous faites pas honte. Ne nous faites pas honte, la famille. La technique, est-ce qu'il n'y a rien d'écrit là-bas, la technique? Il y a Chartry qui vient de rentrer de nouveau. Voilà, Chartry, je disais tout à l'heure, il y a Maria, tu vas vérifier, qui t'a fait un Orange Money de 22 600 francs et qui a encore fait 50 euros. Donc nous sommes à un total maman, de 760 euros ce soir. Merci beaucoup, vraiment, voilà. Grand merci. Voilà, nous sommes à 760 euros. La marquise qui vient d'envoyer 30 dollars. Donc, je convertis en euros. Disons que c'est 30 euros. Donc, on est à... Il y a le restaurant de Chalet, Cynthia qui envoie 50 euros. Nous sommes déjà à 790 euros. Il y a le restaurant de Chalet. Cynthia du restaurant de Chalet qui envoie 50 euros. 50 euros. Oh là là, ça c'est ma PTT. Ça, c'est ma PTT, ça. Nous sommes à 840 euros. Il y a une PTT depuis les États-Unis, Rosine Enanga, qui envoie 25 dollars. Donc, nous allons convertir en euros. Hein. C'est plus ou moins 25 euros. Donc, nous allons ajouter ça sur les 840 euros. Nous allons ajouter ça sur les 840 euros. Il faut vite noter, là, c'est par où. Oh là là, ce soir, je vais bien dormir ce soir. Je suis vraiment content. Voilà, nous sommes ce soir à 884 euros. Il y a Chartry qui est reparti. Problème de connexion au Cameroun. Il n'y a pas de souci. On est en train de travailler pour la maman Chartry. Nous sommes de tout corps avec toi. Ce soir, c'est le cœur qui parle.
Ce soir, c'est le cœur qui parle. Donc, comme les femmes m'attendent quand même de l'autre côté, j'ai encore donné, voilà, là, à tout casser, je demande encore pardon à ces dames. J'arrête à 18h20. Vraiment, je vous donne encore 15 minutes. À 18h20, on va arrêter. Il est 18h15. Les dames, Tata Doudou, l'étoile tribienne, la PDG du Canada, pour ce direct de tout à l'heure, donnez-moi encore 15 minutes. Je vais finir ici. Nous sommes à 884 euros ce soir. On retourne le numéro orange. Au Richard, ceux-là qui sont connectés, tapez le numéro pour que ça défile de nouveau. Plus 237 690 21 87 18. Ça, c'est le numéro orange de Chartry. Plus 237 690 21 87 18. Voilà. Nous sommes à 884 euros. Ce direct, nous allons finir avec 1000 euros ce soir. C'est une obligation morale. C'est un engagement moral. C'est le cœur qui est en train de parler. Et le cœur va parler jusqu'à la fin de ce direct. Et le cœur va montrer à ceux-là qui ne savent pas ce que c'est que la solidarité, que ce soit dans ce direct, la solidarité va parler. Notez encore le numéro, s'il vous plaît. Notez le numéro de... faut que je le retrouve. Le numéro de Chartry. Voilà. Renotez-le, s'il vous plaît. Renotez-le. Faites-le défiler. Comme ça, ceux qui viennent, ils ne vont pas nous poser encore des questions. On a encore 10 minutes. On a encore 10 minutes. Pour ceux qui voudraient le numéro, c'est le plus 237 690 21 87 18. Voilà. Donc nous sommes à 884 euros. Nous devons faire ce soir un chiffre rond. Ça veut dire nous devons contribuer à raison de 1000 euros dans ce PayPal ce soir. Nous devons contribuer à 1000 euros ce soir. Tout à fait, Anna Bogo. Les 6000 euros, si on a de la bonne volonté, c'est très, très facile de les avoir. On est environ 500 personnes là. Si on donne chacun 30 euros, on a fini avec ça, quoi. Donc, vraiment, je dis déjà merci à toutes ces personnes. Parce que si on prend même les 884 euros, plus les 22 600 de Mariam de Milan, plus les 500 francs de quelqu'un d'autre que j'oublie le nom là, aussi, plus les 2500 de Nolo Moulinga, je crois qu'on n'est pas loin à un total de 1000 euros ce soir. Donc vraiment la famille, humblement, je vous dis merci. On va y arriver. C'était un direct qu'on n'a pas programmé. Vraiment, vous avez de façon spontanée fait parler votre cœur. Je suis sûr que quand nous allons programmer le prochain direct, eh bien, les gens vont se préparer et les gens vont cotiser. Mais je veux dire d'ici là, le direct, le PayPal est accroché à la page. Le PayPal est accroché à la page. Donc, faites ce qui a lieu de faire. Et puis, nous allons y arriver. Nous allons enterrer Mathilde avec tous les honneurs. Nous allons, de façon indirecte et même lointaine, participer et aider à ce jeune homme à vraiment enterrer sa maman dans de bonnes conditions. Voilà, attends, il y a Christelle. Bon, il y a Christelle
et Zoa à Bandor, qui a promis 100 000 francs à Chartres. Christian, je vais noter son nom, pour ne pas que Chartres se perde. Christian. Cristal et Joa à Bondo. Vraiment, Cristal, c'est toi qui as donné le coup de pied final ce soir. Nous sommes grosso modo à contribution de plus de 1000 euros ce soir. Parce que Cristal et Zoa Abandon va remettre 100 000 francs CFA. Elle a pris le numéro de Christian, de Chartres. J'ai perdu mon vocabulaire, voilà. C'est la joie, je suis vraiment content. C'est-à-dire, quand on fait un boulot bien, on est content, on est content. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Nous avons battu le record ce soir. Envoyez les cœurs. Nous allons finir avec les cœurs. On a fait plus de 1000 euros ce soir. Merci, Cristal et Bonhomme. Franchement, de tout cœur, merci. 100 000 francs que Chartier va recevoir, je crois, ce soir dans son téléphone. Mais de toute façon, dès que j'ai fini le prochain direct avec les femmes, je vais appeler Chartier. On va faire, on va discuter et on va programmer pour le prochain direct. Donc, vraiment, la famille, on est à plus de 1000 euros ce soir. Celui, j'espère, hein, peut-être ne faudrait pas que je m'avance trop. Je voulais dire que celle qui a fermé les dons de ce soir s'appelle Cristal Edoa Abandon avec 100 000 francs, dont environ 150 euros. 150 euros. 100 000 francs, c'est 150 euros. Donc nous sommes vraiment, nous avons fait. C'est-à-dire ce soir, plus que jamais, je me rends compte qu'il y a de la solidarité sur Facebook, le cœur parle. J'ai compris ce soir que sur la toile, le cœur s'est parlé. Le cœur a parlé ce soir. Nous avons compris encore que ces personnes qui nous regardent, même si quelquefois elles ne nous répondent pas, mais elles sont là. Lors des moments difficiles, ces personnes sont là. Et ce soir, de façon spontanée, les gens ont manifesté leur solidarité. Humblement, je vous dis merci. Je vous dis merci. Ce n'est que comme ça qu'on va combattre cette sorte de haine qu'on a engendrée dans les réseaux. Ce n'est que comme ça qu'on va combattre cette façon de détester les gens gratuitement, cette façon de séparer les gens pour rien, cette façon de chasser l'amour. L'amour. Parce que l'être camerounais surtout, je vais dire africain, mais spécifiquement camerounais, nous avons l'ADN de l'amour. Parce que nous sommes nés ensemble, nous avons toujours connu la vie ensemble. Dans nos différents quartiers, on vit ensemble. On est avec les Bassa, les Bamileke, les Béti, les Banen, on est ensemble. Mais arrivé en Europe, il y a une sorte de virus qui quelquefois fait qu'on se sépare. Mais ce soir, vous avez montré que il y a de l'amour. En un direct, on a cotisé 1000 euros pour Mathilde. Et vraiment, je vous dis merci. Merci surtout à celle qui a bouclé la boucle, qui s'appelle Christelle Edoa Abandon, avec 100 000 francs, environ 150 euros, dont la famille. Je crois que Chartri a des problèmes de connexion. J'aurais voulu qu'il revienne avant que je n'arrête le dire. Je n'arrête le direct, mais je ne sais pas, je crois qu'il a des problèmes de connexion. Je crois vraiment qu'il a des problèmes de connexion, mais que cela n'empêche, nous allons clore le direct. On a atteint ce soir notre but. On avait parlé de 1000 euros. Nous sommes à plus de 1000 euros. Donc vraiment la famille, humblement, je vous dis merci. Dans un instant, le temps me changer, parce que je dois quand même accueillir les boss ladies
avec une autre tenue, parce que nous allons parler d'autre chose. Donc, je vous dis merci, mille fois merci. Merci pour votre générosité. Merci pour ce que vous avez prouvé ce soir. Mais s'il vous plaît, n'arrêtez pas. Le PayPal est toujours accroché à ce direct. Le PayPal va être accroché sur toutes les pages du couple naissant. Que chacun participe comme il peut. Nous allons même accrocher le numéro orange de Chartry. Ceux qui peuvent le joindre par Orange Money, qu'ils le fassent. Ceux qui le feront par PayPal, qu'ils le fassent aussi. Merci à Michel, c'est vous qui avez commencé cette initiative. Aurore et toi, elle n'est pas là, Aurore, elle est partie. Et puis, tous ceux-là avec lesquels vous avez commencé cette initiative, nous autres, nous n'avons pris le train qu'aujourd'hui. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait que, je ne sais pas si c'est, voilà, c'est Chartry qui est là. J'espère que je vais le prendre vite fait. Il faudrait qu'il remercie quand même toutes ces âmes de bonne volonté qui se sont manifestées de façon... Voilà, Chartry, s'il te plaît, c'est toi que j'attendais. Je voulais couper le direct. J'étais en train de dire que nous sommes à plus de 1000 euros ce soir de cotisation. Vraiment, prends le mot de la fin parce que je vais aller dans un autre direct où les femmes m'attendent déjà. J'aime remercier tout le monde. Je voudrais que tu nous donnes le mot de la fin et puis qu'on ferme la porte de ce direct. Chartry, c'est à toi la parole. Vraiment grand merci à vous tous. Soyez bénis. Vraiment grand merci. Je vous remercie au fin fond de mon cœur. Que le Seigneur, que le bon Dieu vous multiplie sa fois mille. Qui vous donne ça, qui vous donne longue vie, qui vous multiplie ça vraiment. Parce que j'étais déjà perdu. Je ne m'attendais pas. Donc, merci pour tout ce cœur, toute cette force. Merci pour tous ceux qui m'ont aidé. Merci pour vous, mon papa. Vraiment. Déjà, grand merci à vous, mon papa. Je suis touché, vraiment. Vous êtes un homme bien et que Dieu vous donne, que le Seigneur vous donne longue vie. Vraiment, qui vous accorde que du bonheur, beaucoup de force et beaucoup de courage. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, pour votre participation, pour tout, même les critiques, tout ça, ça me donne toujours la force parce que c'est ça qui nous fait, qui me rend intelligent aujourd'hui. Au moins cela, je sais aussi comment il veut, mais c'est une leçon de la vie en même temps que ma mère m'a donné, qu'on peut marcher avec des gens, mais ce n'est pas forcément celui que tu donnes qui peut t'aider dans la vie demain. Parce que moi, je ne vous connais pas, mais vous êtes en train de m'aider, donc je ne peux que vous remercier au fin fond de mon cœur. Merci beaucoup à vous tous. Vraiment, grand merci. Merci, Chartry, merci. En tout cas, moi, autant tu me remercies, autant je remercie les personnes qui m'ont montré encore ce soir qu'elles m'aiment bien. Malgré tout ce qui se passe sur la toile, il y a beaucoup d'émotions ce soir parce que vous savez, quand les gens manifestent de l'amour envers vous, surtout de façon spontanée, ça vous touche profondément. Donc toutes ces personnes qui se sont manifestées aujourd'hui, que je ne connais pas, il y a certaines, même la majorité que je ne connais pas, mais c'est les personnes qui me suivent naturellement. Vraiment, je vous dis merci. Malgré toutes les choses négatives qui se sont passées entre-temps, ce soir, on a fait parler le cœur. Et Chartry, on va s'appeler tout à l'heure parce que j'ai un autre direct tout de suite. Peut-être que je t'appelle un peu plus tard, vers 22h, ou alors demain matin, comme ça va. Mais je vais t'envoyer un texto. Michel va me donner ton numéro WhatsApp auquel je peux te joindre. Comme ça, je vais te joindre un peu plus tard. On va causer pour s'organiser pour le prochain direct. Donc, vraiment, la famille, merci. Je redis encore merci à Michel et à Aurore qui ont commencé cette initiative. Merci à tous ceux-là qui ont participé. Merci aux hommes de bonne volonté. Merci même à ceux qui vont cotiser après, parce que le but, c'est d'enterrer Mathilde dans des bonnes conditions. Je vous dis merci, merci et encore merci. À très prochainement pour un autre direct. Beaucoup, beaucoup de courage à toi, Chartry, qui est un garçon. Quand un garçon perd ses parents, c'est là où les vraies responsabilités commencent. Donc, il faut être calme, il faut être posé comme tu as essayé ce soir. Il faut gérer le deuil de ta maman, malgré toutes les critiques, malgré toutes les flèches que tu vas avoir. C'est ça, c'est comme ça qu'on grandit. Quand on a perdu son père, c'est à ce moment-là que vraiment, on devient responsable. Quand un aîné perd ses parents, c'est à ce moment-là qu'il prend les responsabilités. Donc, sache que depuis la mort de ta maman, tu es très responsable. Et reste comme tel que tu es. Merci à vous et rejoignez-nous tout de suite
parce que là, je vais recevoir les dames. Nous allons parler de tout, parce que là, c'était un direct de tristesse, mais de joie en même temps, parce qu'on a tellement fait des choses positives. Tout à l'heure, les femmes vont me parler de leur travail, la façon qu'ils s'occupent de leur mari, les cocotiers qu'ils grimpent à longueur de journée ou à longueur de semaine. Donc, on va parler de tout ce soir. Restez connectés, la famille. À tout à l'heure. Ciao, ciao, Michel. On est ensemble. Bye-bye. Merci pour les contributions. Ciao, ciao. Merci. Ciao.